Bonsoir tout le monde, nous sommes dans la tranche en live, il est 20h pile, 20h01, nous sommes parfaitement à l'heure. Merci à Lise de nous avoir permis de commencer à l'heure. Je laisse la parole à Bled pour l'introduction de, des anciens Égyptiens autour du monde. Absolument. L'histoire de l'Égypte et de ses pyramides remplit des bibliothèques, des musées, occupe des milliers de chercheurs depuis 2 siècles. Il y a tant à savoir et à comprendre que tout un volet de l'archéologie a été nommé égyptologie. On pourrait passer toute une vie à explorer un petit aspect de cet immense ensemble d'objets, de traces, de théories, de controverses et de consensus. C'est à la lumière de ces connaissances qu'on peut mesurer l'immensité encore plus grande de ce qu'on ignore sur ce peuple et ses réalisations. Une telle discipline académique est intimidante pour n'importe qui, mais il y a des exceptions. Le 4 décembre 2019 est publié sur YouTube un film qui a l'ambition de remettre à leur place tous les spécialistes du sujet. Grande Pyramide K 2019 cumule aujourd'hui plus de 2 600 000 visionnages, beaucoup plus que n'importe quel article de recherche sur le sujet. Ce film nous explique que les pyramides ont été construites par les anciens Égyptiens sans tailler une seule pierre. Tout l'édifice est en pierre moulée, une sorte de béton. Les ouvriers ont réduit d'immenses quantités de calcaire en poudre qu'ils ont acheminé jusqu'au chantier. Le béton est alors coulé sur place, ce qui permet de ne pas déplacer une seule pierre. Certains reconnaîtront la thèse marginale dite des géopolymères de Joseph Davidovits qui date de 1979. Le film va plus loin, beaucoup plus loin, partant du principe que les Égyptiens ne savaient pas tailler les pierres dures. On explique l'existence de la chambre du roi et de ses grands blocs de granit d'Assouan en affirmant que cette roche a été fondue, transportée sous forme de lingot, puis moulée dans la pyramide sous sa forme actuelle. Toute la statuaire antique de pierre est née de la même technique. Rien n'est taillé, tout est moulé. Il faut maintenant expliquer cet exploit. Et le film nous annonce que l'énergie solaire a été utilisée grâce à d'immenses lentilles qui permettaient d'en concentrer les rayons et de dépasser 1800 degrés Celsius. La technologie de la concentration du flux solaire a été utilisée pour excaver les grands obélisques et pour graver les hiéroglyphes que l'on trouve sur la pierre dure. Le film nous donne la recette des lentilles égyptiennes. On mélange du natron et de la chaux, cette soude caustique est ensuite mélangée à du sable blanc et chauffée à 1000 degrés pour obtenir du silicate de sodium. Cette substance est mélangée avec du silicate de potassium, puis le liquide est coulé dans un moule en forme de lentille. 3 jours plus tard, cette merveille de technologie est démoulée et elle peut faire fondre le granit. Le matériau des lentilles est malheureusement sensible à l'eau dans laquelle elle se dissout. Et ceci explique que l'on ait aujourd'hui nulle trace de ces objets. Tandis qu'étrangement, abondent les outils, les textes et les dessins liés à la taille de la pierre. Le film estime que cette technologie a été tenue secrète, raison pour laquelle aucun historien, aucun spécialiste, n'a jamais entendu parler de ces immenses lentilles de 5 à 10 mètres de diamètre, alors même qu'elles ont été utilisées par les Grecs et les Romains qui, eux non plus, n'ont jamais vraiment taillé de pierre. Enfin, le film nous révèle que les anciens Égyptiens ont fait le tour du monde dans l'Antiquité, qu'ils ont construit les pyramides américaines, qu'ils ont tracé des hiéroglyphes en Australie. Bref, qu'ils sont à l'origine de toutes les grandes civilisations de la Terre. Là où les récits de ce genre font généralement appel à la civilisation de l'Atlantide, des hommes plutôt blancs venus du Nord, le film Grande Pyramide K 2019 prend fait et cause pour une thèse afrocentriste, où les pharaons étaient noirs, un fait que l'on aurait essayé de nous cacher, comme le reste. Et oui, car le film annonce dès son sous-titre qu'il y a un problème avec la version officielle, entre guillemets, de l'histoire, puisqu'elle nous apporte, citation, « la nouvelle histoire de l'humanité dévoilée ». C'est un projet colossal que de dévoiler la nouvelle histoire de l'humanité, et il ne peut s'entreprendre qu'avec un solide bagage sur l'état actuel des connaissances, avec une puissante capacité d'analyse, avec une méthodologie apte à convaincre les experts. C'est un travail de longue haleine qui ne peut sûrement pas se résumer à un simple film. Et c'est pour voir au-delà du film, pour comprendre la méthode de travail de son auteur, que nous recevons Femi Krasniqi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Femi, merci d'être. Il y a 3 heures, en fait, c'est vous qui avez proposé qu'on ait cette conversation. Est-ce que le résumé, évidemment un peu grossier,
qu'on a fait du film en introduction vous convient. Alors, avant tout, je vous abandonne, je Oui. retourne m'occuper du chat et je cesse de prendre de la place dans cet écran. Et on te revoit à la fin. Okay. Et je reviens à la À fin. tout à l'heure. Si le résumé, oui, on va dire globalement oui, ça va. On va pas s'arrêter dans les détails, hein, D'accord. Bah, parce on verra que après. voilà. C'est pour que les gens, Oui. ceux qui n'auraient pas vu le film, qui dure quand même 3h30, ceux qui n'ont pas vu, comme ça, voient un petit peu où est-ce qu'on se situe. Et donc, première question, Femi, qui êtes-vous? Quelle est votre formation et pourquoi vous avez fait ce film? Pourquoi vous en parlez? Alors, je suis arrivé en France en 96, donc j'ai fait un parcours dans mon pays en art plastique, dans les arts plastiques, Votre pays, c'était où? Albanie et Kosovo, vous voyez, dans les Balkans. Voilà. Et donc là-bas, j'ai fait lycée des beaux-arts en art plastique. Donc ça touchait la peinture et la sculpture. Donc voilà. Ensuite, ici arrivé en France, donc j'ai fait des formations en infographie et informatique, puisque je me suis dit, je vais me convertir un petit peu dans cette branche-là, les nouvelles technologies, etc. Donc ça c'est en 96. Et puis voilà, j'ai travaillé dans diverses sociétés d'infographie, de multimédia, etc. J'ai fait une licence, un master à l'université Lumière Lyon 2 en communication et multimédia. Voilà. D'accord. Donc, a priori, enfin, qu'on mette les choses sur les points sur les, vous n'êtes pas archéologue. Vous n'êtes pas historien, vous n'avez pas de formation particulière. A priori, Non. vous venez du monde extérieur à ces sciences-là. Oui, Donc, on peut me qualifier de chercheur alternatif amateur, on va dire. J'ai d'accord. pas de diplôme, j'ai pas de diplôme parlant. Alors, je précise d'emblée que en soi, c'est pas un problème, mais c'est important de savoir. Donc, Tout à fait, oui, tout à fait. alors. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, moi, je suis compétent, je suis apte à faire ce film pour parler de ma vision des choses? Ben, en fait, apte. Ça, la question, est-ce que je suis apte ou pas, ça, voilà. Ça, c'est au public ou aux scientifiques de juger Oui, mais vous vous êtes dit que vous les aptitudes. l'étiez. Comment? Vous vous êtes dit, je suis capable de le faire. Non, 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 c'est pas une question. Je suis capable. J'ai commencé, j'étais très intéressé par l'Antiquité depuis tout petit, hein. C'est quelque chose qui me passionnait, l'histoire, etc. Et donc, ici en France, j'ai continué ces recherches dans l'histoire, hein. Et puis, voilà, je me suis dit, au fur et à mesure que j'avançais dans les recherches, je me suis dit qu'il y a des choses qui collent pas. Et D'accord. donc, j'ai commencé à rassembler les puzzles. Donc voilà, je me suis dit, il y a quelque chose de complètement nouveau, il y a des choses qui ne collent pas. Et avec mon approche, donc les études sur divers champs de la recherche, le puzzle commence à s'assembler. Et voilà, je vois que la chose, elle est béton. Béton. Alors, quel est le but du film? Alors, le but du film, c'est de présenter une autre histoire à mon sens, il s'agit d'une autre histoire de l'humanité. Je me suis dit qu'il se peut, en fait, que peut-être on a fait une erreur dans ce qu'on voit, en fait, dans l'appréhension de l'histoire actuelle. D'accord? Et le but, c'est tout simplement, comment dire, la phrase simple. Rendre à César ce qui appartient à César. En fait, il y a plusieurs Césars, hein, dans cette histoire, hein. Il n'y a pas qu'un César, il y a plusieurs Césars. Donc, rendre à chaque César ce qui appartient à chaque César, tout simplement. Une sorte de droiture, de justice, une sorte de rendre les Donc, choses vous telles qu'elles estimez sont. que la version, je l'appelais officielle avec des guillemets, même si ce n'est pas le bon terme, que la science telle qu'elle existe, elle est injuste.
L'histoire telle qu'elle existe dans Je les... dirais erroné, pas injuste. Bon, c'est une question, on ne va pas jouer avec les termes, Ah hein, non, vous injuste. avez dit qu'il y avait un sentiment de justice. Donc, bon, si vous le Oui. dites, c'est important pour vous. Ben, en fait, si vous voulez, c'est, on fait des erreurs quand on fait quelque chose, on fait un dessin, on fait des erreurs. Donc, on va gommer l'erreur et on va retracer la ligne, tout simplement. Donc, c'est exactement hein, l'histoire. L'histoire, au fur et à mesure, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. L'histoire, si vous voulez, pendant notre histoire de l'humanité, elle se corrige tout le temps. Hein. Bien C'est sûr, pas quelque chose de nouveau. c'est vrai. On fait des erreurs. Par exemple, il y a quoi? Il y a 20 ans, pas plus loin, hein, 30 ans, on pensait que l'Égypte, en fait, les pyramides étaient construites par des esclaves. Du coup, des films qui flottent à flot, des esclaves qui construisent les pyramides. Alors ça, Oh. je peux juste dire que dans la culture populaire, c'était le cas. J'ignore, moi, si les chercheurs... Il y a 30 ans, savaient déjà que non. Peut-être qu'eux savaient, mais que la... Peut-être. Mais pour ça, mais c'est différent. Entre ce que pensent les experts et ce que nous, on voit dans la culture, dans les films, etc., il y a quand même un décalage qui parfois prend une ou deux générations. Oui, donc en fait, ce que le public pensait, en fait, il y a 30 ans, moi je me place côté public, hein, d'accord? Le Ouais, public d'accord. pensait que les pyramides, il y avait des esclaves, et du coup, c'était erroné, puisque les C'est égyptologues, vrai. ils commencent, ils font des recherches, ils sortent avec des résultats, et ils disent tous, ils sont tous unanimement d'accord, et ils disent, il n'y avait pas d'esclaves. Et donc, voilà, une petite erreur, il y a D'accord. 30 ans, et qu'on Mais corrige alors, aujourd'hui. si je peux, Et donc, c'est très bon signe. Ça veut dire que l'archéologie, l'égyptologie revient sur ce qu'elle fait, se met en question et finalement que la méthode est efficace. Enfin, du coup, c'est tout bon à signe. fait, oui, bah oui, tout à fait. Hein. Donc, en fait, voilà, c'est pour dire que le film, il y a, à mon sens, il y a des erreurs dans notre histoire. Et maintenant, voilà, je pose une théorie. Non, parce qu'on a mis des centaines de commentaires. C'est des affirmations, c'est pas des hypothèses. Bon, on va pas jouer avec les mots et les termes. Qu'est-ce que c'est en vocabulaire une affirmation, une hypothèse dans l'histoire? En fait, c'est important. Cette nuance est importante. Oui, c'est important. Mais si vous voulez, on peut détailler. Hein, je peux rentrer là-dedans si vous voulez. Mais. Ouais. Vous voulez finir? Oui, et donc voilà, c'est dans le film, il y a des hypothèses et des affirmations, d'accord? Il n'y a pas que des affirmations ou que des hypothèses, il y a un peu d'affirmations et des hypothèses. Et donc maintenant, ça, ce bloc-là, il est posé. Maintenant, il faut réétudier, en fait, étudier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas D'accord. bon, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va jeter, Tout à fait. etc. Mais c'est un Donc, travail maintenant de scientifique. alors justement, Voilà. là où on en est, c'est que les scientifiques, eux, travaillent aussi. Est-ce qu'il faut qu'eux passent du temps à s'intéresser à toutes les hypothèses qu'on entend, dont la vôtre, c'est pas sûr. Et notamment, pour s'intéresser à la vôtre, il faudrait qu'on ait une petite idée de se dire, ok, Fémi Krasniqi, ce qu'il fait, c'est plus fiable que ce que fait Jacques Grimaud, que ce que fait Pouillard, que ce que fait Démian et tous les autres. Nous, sceptiques, je parle de nous, la tronche en biais et les autres autour de nous, quand on fait un travail, on est très critique par rapport à ces gens-là et leur démarche. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous qu'on aurait tort de vous mettre dans le même sac qu'eux? Pourquoi est-ce que vous êtes plus fiable? D'accord. Eh ben, en grande ligne, je vais dire, parce que, en fait, oui, c'est vrai, je vais revenir un petit peu avant, parce que les égyptologues, ils vont pas, et les archéologues et les historiens, etc., ils vont pas se pencher à chaque fois que quelqu'un sur Internet, qui n'a pas de formation scientifique, il sort une théorie. Tout à fait. Bon, les gars, allez, on va s'y mettre, on va résoudre ça, parce qu'il y a Monsieur Dupont. Sinon, ils finiraient jamais leur travail. Donc, ils faisaient que étudier des théories à droite, à gauche. Donc, des théories, on peut en pondre tous les 3 minutes, hein, des théories sur l'histoire de l'humanité. Donc, ça nous fait 7 milliards de théories hein, en une seconde, si vous voulez. Voilà. Donc, Donc la voilà, vôtre en comment l'occurrence. faire La comment vôtre, faire pour on résoudre a toutes ces 2,6 théories? millions de vues sur YouTube. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un public qui trouve ça intéressant et qui partage. Mais on a vu partager des choses stupides.
Ah bah oui, Pourquoi est-ce que complètement. vous, ce serait différent? Pourquoi c'est mieux? Parce que j'amène des informations scientifiques. Par Okay? exemple. C'est des informations scientifiques. Et quand je dis scientifiques, c'est-à-dire les sciences dures. Hein? Ce n'est pas des sciences molles, mais il s'agit carrément des sciences dures. C'est-à-dire chimie, des théories appuyées par la chimie, par les mathématiques, la géométrie, physique. Donc voilà. On est carrément dans les sciences dures. Bon, admettons, mais alors, du coup, moi, si on rentre un peu dans le vif du sujet, le film tient sur un certain nombre d'hypothèses qui sont développées. Et en gros, la méthode qu'on applique, nous, lorsqu'on est sceptique et qu'on veut comparer les choses, c'est de prendre différentes théories. Donc, on a la théorie de l'égyptologie actuelle, on a la vôtre, et de se dire, voilà quels sont les faits, quelle théorie est plus puissante pour expliquer l'ensemble des faits que l'autre. Et donc, vous avez l'hypothèse que la chambre souterraine, elle n'a pas été creusée, mais elle a été moulée. Oui. Qu'on a employé des lentilles solaires pour chauffer le granit. Que les Égyptiens de l'Antiquité ont fait le tour du monde. Et Oui. que leur technologie se retrouve chez les Grecs et chez les Romains. Notamment dans la statuaire, si je ne veux pas dire des bêtises. Et qu'on a perdu cette information. Donc tout ça, et après on a la goutte d'eau qui est à l'origine du maître, mais ça, je mets de côté parce qu'on a que 2 heures, et donc je Oui. laisse à d'autres collègues le soin. Je crois que vous en avez parlé, ça, avec Dari, le maître, par rapport à la goutte d'eau. Oui, Bon. Donc oui, on on a enverra les parlé, gens, je on crois, mettra une description. Mais voilà, ces oui. hypothèses-là, bon, l'hypothèse des pierres. Oui, on a parlé avec Daria Faustine, tout à fait, Voilà. oui. Les pierres moulées, bon, c'est David de Witt, c'est 79, ça glissait déjà avant vous. Mais l'idée que la chambre souterraine, elle a été moulée et non creusée, ça sort d'où? Eh bien, j'explique aussi dans le film, c'est que, en fait, pour faire des tunnels, pour faire de la chambre souterraine, techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement. Donc, nous, on a contacté Jean-François Lemarchal, c'est un chimiste qui est dans le film. Là, à partir du sol jusqu'au souterrain, à 30 mètres, on a deux tunnels. Donc, on a le grand tunnel descendant, et on a le tunnel de service qui descend depuis la grande galerie, et on a un troisième tunnel, ce qu'on appelle le blind tunnel, le tunnel aveugle, qui va de la chambre souterraine et il va tout droit en profondeur à 16 mètres, en horizontal. Et donc, on a contacté le chimiste Jean-François Lemarchal. On lui a posé la question, bon, comment on peut résoudre le problème du CO2, le problème de la lumière, etc. On laisse tomber les outils. Hein. Mettons, on avait des super outils, on pourrait travailler. Eh bien, le problème, c'est que déjà, c'est très compliqué pour résoudre l'oxygène, le problème de l'oxygène. Il fallait faire de la poudre mouillée pour sortir. Et encore, c'est de la théorie. Comment ça, ce problème de l'oxygène? Du CO2, pardon. Du CO2, parce Donc, que c'est-à-dire que quand dans un tunnel, quand on est en profondeur, si le volume est réduit, les gens se seraient asphyxiés, c'est ça? exactement. Par D'accord. exemple, vous avez un tunnel. Par exemple, il y a un tunnel qui fait 68 par 68 mètres, centimètres. Et le tunnel, ce tunnel-là, si on commence à travailler, à taper pour creuser, donc à chaque moment, à chaque seconde, on expire du CO2, ok? Et puis ce CO2, il va se stocker. Hein. Au bout de 30 minutes, le CO2, le niveau du CO2, mettons si on est allongé par terre, ok? Le CO2, il monte. Et du coup, si on ne sort pas immédiatement, le CO2, il va nous asphyxier. Donc, il faut trouver une solution pour évacuer le CO2. Par D'accord. exemple, dans les mines modernes, par exemple, on faisait, quand c'était des petits espaces, ce que j'ai lu, hein, on faisait courir des petits animaux. Hein, ils couraient, ils partaient tout au fond, ils revenaient. Et du coup, ça faisait bouger l'air et ça faisait D'accord. sortir le CO2. Parce que Mais... quand on creuse, voilà. Donc, en gros, l'idée que qu'il faut que la chambre soit moulée, c'est parce que, selon vous,
si c'était creusé, on n'aurait pas eu de solution pour le CO2 et il se serait asphyxié avant de creuser. C'est ça le truc. C'est ça, mais il n'y a D'accord. pas que ça, il n'y a pas le CO2. Il y a la question des outils. Ben, déjà, avec quel outil? Du silex, ce n'est pas possible. Parce Pourquoi? qu'on voit, par exemple, le tunnel de la Grande Pyramide, du début jusqu'à la fin, la différence de la hauteur, les dimensions, ça change quasiment un demi-centimètre. Oui, OK? c'est très précis, c'est très régulier, mais Eh ça. ben, comment fait cette précision? Comment fait? Sans parler, par Comment on fait exemple, de l'horlogerie de haute précision il y a 500 ans, on y arrivait quand même. Enfin, avec. quand c'est de la haute technologie, on met les meilleurs et les meilleurs font du bon travail. Mais cette idée, bon, vous avez vu un chimiste, j'entends bien. Ce chimiste-là, vous avez vu un égyptologue pour poser la question de Non, comment. non. Ah non, 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 pour voir des égyptologues, là, c'est si vous n'êtes pas quelqu'un, un grand réalisateur, une grande société de production, laisse tomber, hein, c'est même pas la peine de s'approcher, donc il n'y a personne qui vous ouvre la porte. Je suis Voilà. convaincu qu'il y a des gens qui seraient ouverts pour vous en parler. Enfin, pas forcément pour être dans le film, mais au moins pour discuter sur pourquoi est-ce que cette hypothèse-là. Parce que peut-être qu'eux ont la réponse. Je ne sais pas, peut-être ils ont des réponses, mais la théorie actuelle, en fait, qu'on dit que le tunnel, la chambre, en fait, toute la partie souterraine de la pyramide a été taillée, creusée, ça ne fonctionne pas. Ce n'est Pour pas vous. possible, c'est hors Mais de vous question. venez de me dire que peut-être ils ont la réponse. À l'instant. Je ne sais pas s'ils ont des réponses, Ben, mais si vous ne savez déjà, pas, en fait, eux, le ils problème ont. c'est que moi, je voudrais que vous me disiez, je suis allé voir, j'ai vérifié, je sais. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresserait si vous ne savez pas? J'ai pas très bien saisi. En fait, je suis un inconnu. Ok, je suis un inconnu, donc j'ai pas de référence. Je suis pas une grande équipe de réalisation de production de films sur l'Antiquité, et donc je suis un monsieur de tout le monde. Donc, si j'y vais contacter un égyptologue, voilà, je veux faire un film, j'ai des questions. Tout de suite, le gars, il va me dire, je suis désolé, pas le temps. Mais Donc, vous l'avez c'est fait? réglé. Maintenant, Vous avez des réponses des gens qui vous ont dit pas le temps? non, 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 mais c'est, j'ai même pas tenté ça. Bah C'était mais alors, si évident. donc vous avez des préjugés sur les égyptologues et vous leur avez pas écrit Non, et donc vous ne savez pas ce qu'ils pensent. C'est ça? non, 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 j'ai pas de préjugés sur les égyptologues, non. Non, mais voilà, j'imagine, hein, moi j'imagine très bien, je suis un inconnu, voilà, le gars il dit, bon, c'est D'accord. qui ce gars? On n'a jamais entendu, pas de référence, rien. D'accord. Donc, et maintenant, les théories actuelles, jusqu'à maintenant, c'est des tunnels taillés. Mais voilà, D'accord. mais à Alors, mon sens, donc, on verra après dans la seconde partie, on parlera des pierres moulées et des roches moldues, parce que c'est vraiment le cœur du film pour moi, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Mais du coup, on a évoqué les autres films. La révélation des pyramides, bâtisseur de l'ancien monde, il y a quand même profusion de théories depuis longtemps. Qu'est-ce que ces gens-là disent à votre film? Alors, juste une petite seconde, je vais revenir vite fait sur le tunnel et Ouais. c'est bon, on y va en avant. D'accord. Alors, pour voir si c'est des tunnels souterrains taillés ou faits comme je le démontre dans le film, en béton, donc on a fait une crevasse et puis on a rempli, on a ajusté le vide, ok? Alors, je vous invite, il y a une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Dans cette vidéo, il y a le tunnel descendant de la pyramide de Meidum. Donc, dans ce tunnel, c'est exactement comme le tunnel de la Grande Pyramide. Et là, on voit en vidéo, on voit les traits du tunnel d'une précision époustouflante et qui ne bouge pas. Il ne bouge pas du début jusqu'à sous terre, à la fin, jusqu'à 16 mètres sous terre. Le tunnel, il est parfait. On voit une trace, on voit des lignes, c'est bluffant. C'est un travail Ok, bien fait, d'accord? mais ça, vous ne pouvez jamais, avec un burin, avec ce que vous Moi, voulez, je vous ne pourrais pouvez jamais, c'est vrai, mais il y a des gens qui savent faire des choses que moi je ne sais pas faire. Plein de gens. pas.
Oui, peut-être, mais il faut essayer. Oui, après, il faut faire ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Oui, Oui, faut tester. il y en a eu. Alors, sur les tunnels, alors, encore une fois, moi, il faut que je précise que moi, je suis biologiste à la base. Je ne suis pas du tout expert. Je ne prétends pas que je sais plus que vous. Mais je m'interroge sur pourquoi est-ce que moi, il faut que je vous accorde ma confiance. C'est ça ma question. Et comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, voilà pourquoi lui, il est sceptique, pourquoi lui, il pense qu'il a raison, et comparer les deux. Mais j'en reviens à ma question. Les autres promoteurs, on va dire, de théories alternatives, on va dire ça comme ça, je sais pas comment il faudrait dire, ont leur propre vision des choses. Vous, votre film, en gros, c'est le petit dernier, il est arrivé en décembre. Comment ça a été reçu par la communauté des gens qui sont critiques par rapport à l'égyptologie, à l'histoire, on va dire, officielle, pour utiliser leur vocabulaire? Est-ce que on vous a accueilli à bras ouverts, bravo, Femi, bien joué, ou est-ce que on vous a plutôt critiqué? Alors, là, il y a eu divers, là, il y a eu de toutes les couleurs, un arc-en-ciel, hein, d'accord? Donc, par exemple, tout ce qui est, moi, je suis venu, le petit nouveau venu, je m'attendais, puisqu'on est tous rangés d'un côté, des chercheurs alternatifs, je me suis dit, bon, j'arrive, je vais avoir du soutien de Grimaud, de Poyard, de tout le monde, de tous ces chercheurs. D'ailleurs, Ils on les cherchent. embrasse très fort. Oh, oui, bah oui, on les embrasse tout le monde. Ah oui, mais complètement, moi, ah oui, on est des chercheurs, voilà, on est des humains. Et pour moi, en fait, ce qui est le plus important, c'est trois choses, c'est amour, paix et intelligence. Le reste, voilà, le reste, tout se règle. Et donc, je me suis dit qu'ils vont me soutenir. Bon, c'était pas du tout le cas, donc. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas eu de soutien. Quelques critiques par-ci, par-là. Moi, par exemple, j'attends, parce qu'en fait, Patrice Poyard et Jacques Grimaud, ils ont fait un film, ils ont fait deux films, BAM et l'RDP, où ils parlent des bâtisseurs inconnus. D'ailleurs, même pas seulement des bâtisseurs inconnus, mais aussi des extraterrestres. Hein. C'est que peut-être une Alors, civilisation ils ne venue le d'ailleurs. disent jamais vraiment, mais en effet, c'est ça que ça veut dire. Quand on connaît les coulisses du film, c'est ça qu'ils veulent dire, en effet. Bah oui, bah vous avez la séquence Aurora de BAM, de Bâtisseur ancien monde. La séquence Aurora, ça dure 15 minutes. Moi, je l'ai vu, je suis allé C'est avec vrai, un ouais. collègue, je l'ai vu à Pierre Rouge. La séquence, là, il y a des extraterrestres, etc., etc. Bon, ok. Mais c'est sympa, hein. Donc, oui, ah non, non, mais j'ai rencontré les extraterrestres, c'est Alors du coup, sympa, c'est vous, chouette, votre c'est. film arrive, qu'est-ce qu'ils disent, eux, Pouillard et Grimaud, pour rester sur eux qui sont les plus connus, on va dire. Bah, d'ailleurs, Grimaud, il m'a tout de suite attaqué. Dès qu'il a vu un triangle, le PFI, tout de suite, Illuminati, un film fait par les Illuminati, les francs-maçons, eh D'accord. bah, j'ai dit plusieurs fois, et je le dis encore aujourd'hui, ce film, il n'est pas fait ni financé par aucun Illuminati, aucun franc-maçon. Ce film, il est fait par mes épaules, par ma sueur. Mais Il n'y peut-être a que vous personne mentez. d'autre derrière Moi, moi. j'ai une théorie qu'en tout cas, vous êtes un Comment? franc-maçon. Peut-être que j'ai raison. Ah non, 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 je ne suis pas franc-maçon du tout. Je suis D'accord. pas, je vous jure, pour tout, pour Dieu, pour ma Mais famille, pour mon être, moi, je pour veux bien tout, vous je ne suis croire, pas franc-maçon. mais ceux qui pensent que c'est pas vrai vont continuer à penser que c'est pas vrai. Mais moi, je m'en fous. Bah, ils continuent, hein. Les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Hein. Le film est fait que par les sous de ma poche. Hein. Et donc Grimaud, Mes collègues. il a attaqué le contenu ou juste vous? Qu'est-ce qu'il a attaqué? Parce que moi, Non, j'ai une non, citation de pas lui, je peux forcément, lire. pas le contenu. Parce que moi, j'ai l'impression Comment est-ce qu'il qu'il a m'a? surtout fait l'attaque personnelle, enfin, comme d'hab, quoi. Donc Grimaud, sur Facebook, a dit « Il n'atteint quasiment personne, alors que LRDP2, donc la suite, va secouer tout le monde, et fort !» Point d'exclamation. Ce minable, ça c'est vous, n'est pas de taille. S'il l'eût été, il serait venu m'affronter en face et non à la retourne et en sortant des vidéos vides à la pelle. En réalité, aucune démonstration n'est à l'appui, d'où la faiblesse de ce zozo, ça c'est vous encore, qui croit remplacer la qualité par la quantité. Jacques Grimaud. Oui. Ah, mais là, tout de suite, en fait, moi, j'ai vu Jacques Grimaud avant que le film passe sur Internet, j'ai vu qu'il n'y a aucune démarche scientifique. Oui. Un scientifique, il ne se prononce jamais avant d'étudier la chose. Donc, on étudie la chose, on regarde le film en détail, les sujets, on y passe du temps.
Et ensuite, on va l'attaquer. Ici, 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 là ou là. C'est pas bon, c'est faux, etc. Donc, Grimaud, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Cela, ça a démontré qu'il n'y a aucune démarche scientifique. Donc, sans l'attaquer le film, juste avec des petites bandes passant, est-ce qu'il a entendu à droite, à gauche, il a commencé à dire « Ouais, c'est le film bidon, tout n'importe quoi. » Donc, il a fait un grand article, hein, il est sur, partout sur Facebook, un grand article, ce film, il est nul, il est rien, etc. etc. Bon, voilà. Donc, il n'est même pas venu le voir. Donc, pour moi, quelqu'un qu'il attaque quelque chose sans prendre connaissance du fond... Donc ça, du fond, il l'a publié avant de le voir, scientifique. C'est ça? Complètement. Ah mais... oui, vous avez des documents sur son Facebook partout. Hein. D'accord. Ah, mais oui, alors, sans... du coup, ce que vous dites, c'est important, je retiens. En science, il faut absolument tout examiner avant de porter un jugement. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose de très important en plus. Okay, c'est-à-dire, si un scientifique, on pose une théorie, okay, s'il y a un scientifique qui doit intervenir derrière pour rejeter ou approuver cette hypothèse, il faut que ce scientifique vienne, qu'il écrive ce qu'il doit écrire, et avec nom et prénom. Hein. Ce n'est pas « je suis scientifique, diplômé Bac plus 10 en chimie, et en bas, lolo69biz@gmail.com voilà. » Donc vous ne voulez pas les critiques anonymes? Ah ben, ça n'a pas... Il n'y a pas de fondement, ça ne sert à rien. Ça dépend. Quelqu'un qui est anonyme et qui dit « ceci est faux, voici la source » et qui donne la source, moi je le crois, si la source est vraie et que je vais vérifier. Même si le je vais le lire, la source, il n'y a pas de souci, la source. Mais la critique, sa critique qui vient de lui, ça vaut caduque. Donc, il faudrait, s'il y a des scientifiques. Je suis d'accord avec ça. Quelqu'un qui, parce qu'à la limite, vous n'êtes pas docteur ou chercheur en quoi, donc on pourrait dire, ça ne vaut rien parce que vous n'avez pas de diplôme. Non, attendez. J'ai dit anonyme. Moi, je viens avec des documents. Mais vous, j'ignore qui vous êtes. Peut-être que vous êtes un Illuminati. Peut-être que c'est un faux nom. J'en sais rien. Donc, ce qu'il faut, c'est que le contenu soit valide. Et dès que le contenu est valide, peu importe qui parle, si ce qu'on me dit est vrai, la personne qui parle, elle peut très bien être... Ça peut même être Grimaud. Même Grimaud pourrait avoir raison. Hein. Oui, mais moi, si vous voulez, j'ai un nom, j'ai un prénom. Donc, je ne suis pas un anonyme. Donc, quand un scientifique, il veut contredire ou critiquer quelque chose, un vrai scientifique, il faut qu'il se présente, diplôme, machin, et ci et ça, et qu'il détaille la critique. Donc, ici, c'est faux, ici, c'est erroné, et ci et ci, par-ci et par-là. Donc, des critiques comme ça, anonymes, on peut en faire 200 000. Hein. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas de vrai. Mais bon, juste pour finir sur l'accueil que vous avez eu dans le monde alternatif, en fait. Donc, Grimaud a été très, très négatif. Est-ce que Pouillard a parlé de votre travail? Est-ce que vous êtes entré en contact d'une manière ou d'une autre? Alors, concernant Pouillard, j'ai essayé de le contacter plusieurs fois. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait dans le film, il y avait deux séquences du film. Okay, deux séquences, à mon sens, importantes, en fait, très importantes. Il y a la séquence du maître à Tiwanaku, qu'elle est très importante, et la séquence de Graham Hancock, qui dit que les Égyptiens, ils ont reçu ce savoir par une autre civilisation, et voilà, c'est un cadeau. Et donc, je l'ai contacté pour cette séquence, il m'a dit oui, et ensuite, il a fait volte-face. En fait, il m'a dit oui, ok, donc, pour 2000 euros. En gros, et ensuite, il a fait volte-face. En gros, vous lui avez demandé l'autorisation de mettre un extrait dans votre film, c'est ça? Oui. Et il a dit oui pour 2000 euros. Tout à fait. Et il a dit, quelques jours plus tard, il a fait volte-face, il a tout retourné. Non, je ne vends plus rien, etc. En fait, il ne m'a pas... Il n'a pas voulu. Parce que nous, vous m'avez écrit pour qu'on vous autorise à mettre un extrait d'une de nos émissions. Tout à fait. Et moi, je vous ai dit oui, évidemment, dès l'instant que la source est mise dans le film, je ne m'y oppose pas et on n'a pas demandé de fric, nous. Oui, tout à fait. Ah oui, vous m'avez envoyé. Patrice Pouillard, si tu nous écoutes. Bien. Alors. Attendez, pour finir, parce que c'est important. Ouais. Donc, moi, je m'attendais à Patrice Pouillard, puisque si quelqu'un cherche la vérité avec sincérité, il doit soutenir l'autre, son copain de côté, qu'il cherche. Okay, mais en fait, je pensais, parce que Patrice Pouillard, il dit esprit ouvert, hein, partout, hein, je suis esprit ouvert, je suis ouvert pour les débats. En fait, c'est la seule personne qui n'est pas ouvert d'esprit.
je le dis clair et net, hein, clair et net, je le dis comme ça publiquement, c'est la seule. En fait, maintenant, il organise, je ne sais pas, il organise des lives, mais dans une espèce de club privé, dans un truc sur Internet, sur des espaces privés où il n'y a pas d'accès. Pourquoi on ne fait pas des lives? Je l'invite à faire du débat parce que quand vous dites une théorie, quand vous dites, voilà, c'est des anciens bâtisseurs, etc., eh ben moi, je vous invite, et j'invite maintenant, je lui dis à Patrice, je l'invite, s'il soutient tout le temps sa théorie des bâtisseurs inconnus, okay, moi, je l'invite dans un débat scientifique bien élevé, hein, on va pas, un débat vraiment amical, eh ben je l'invite. Ok, je l'invite. Bah. Aujourd'hui, je lui fais la proposition pour faire un débat sur son film. Parce que si vous soutenez une théorie, faut la défendre. Ok. Oui. Sinon, si vous ne faites pas de débat avec personne, là, ça devient du secte. Ok. D'accord. Après, la vraie forme du débat scientifique, c'est un débat où on produit les travaux sous forme de texte, avec les références à l'intérieur, et on soumet à la critique des pairs. Et c'est ça, le vrai débat scientifique. Après, le débat que nous, ouais, on fait ici, moi, je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour essayer de vous faire comprendre pourquoi moi j'ai des doutes, et que vous m'expliquiez pourquoi il faut vous croire. Ce n'est pas un vrai débat scientifique, c'est vraiment un débat de position. Alors, je comprends, pas de soucis, je sais, j'ai déjà étudié, c'est... Alors, pas de soucis. Grimaud, etc., c'est fait, on va pas y revenir. Je crois savoir que vous avez répondu à Grimaud, que vous l'avez dit qu'il appartenait, lui et son film, aux poubelles de l'histoire, c'est ça? Oui, et bon. D'ailleurs aussi le film BAM. Très bien, bon, alors, voilà, ça balance. Là, j'ai choqué quelques-uns, donc il faut comprendre, encore une fois, c'est la énième fois que je dis. Donc, le mot poubelle de l'histoire, les gars, faut pas prendre peur, c'est pas les vraies poubelles, hein, ok? C'est une métaphore, c'est une métaphore scientifique. Oui, ça j'ai compris. Voilà, donc on va poser dans un tiroir. Je veux dire, c'est juste pour montrer qu'il y a un peu d'animosité, quoi. Que c'est pas serein, mais j'ai envie de dire, ça peut arriver. Ce type de climat peut arriver en science, c'est pas un problème. C'est juste que nous, Thomas, on est beaucoup plus cordial l'un avec l'autre que vous n'êtes avec eux, c'est ça que je veux dire. Non, je suis cordial avec tout le monde. Bah, d'ailleurs, je les invite, je l'invite même à boire une bière, il n'y a aucun souci. Mais eux, hein, ils ne sont pas tellement. Ok, non, il n'y a pas d'animosité. Ok, pourquoi j'ai dit poubelle de l'histoire? Moi, j'ai un problème avec l'œuvre. Ok, j'ai pas un problème avec les personnes. On peut boire, on joue au foot, on boit une bière, ce que vous voulez. Le problème, c'est ils disent des bâtisseurs inconnus. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites bâtisseur inconnu, sans preuve, sans rien du tout, gratuit, vous effacez 4000 ans d'histoire poubelle, ok, en 30 minutes, en une heure et demie, ouais. 4000 ans d'histoire d'Égypte sont effacés. C'est-à-dire, les Égyptiens, c'était des nœuds, c'était des primitifs, ils ne savaient rien faire, c'était, voilà, 4000 ans, ils n'ont fait que planter des tomates et récolter le blé, c'est tout. Les tomates, ce n'était pas non, en Afrique. Mais d'accord, je comprends. Alors, juste, parce qu'à côté de ces gens-là, il y a des gens un peu plus sérieux, comme par exemple Joseph Davidovits. Je mets le contexte, ouais. C'est un monsieur, c'est un vrai chercheur. C'est lui qui, en 1979, a proposé la théorie des géopolymères et qui l'a testé. C'est-à-dire que c'est lui qui a soumis l'idée que les pierres des pyramides ne seraient pas des pierres taillées, mais des pierres moulées. Donc, ce n'est pas un abruti au fin fond de sa cambrousse qui sortait, c'est un mec assez sérieux. Il n'a pas convaincu la communauté des savants. Mais son hypothèse existe, elle est diffusée. Vous l'avez reprise. Je suppose, et là je vais poser une question faussement naïve, que vous l'avez contacté, M. Davidovits, pour votre film? Tout à fait, oui, on a contacté. Qu'est-ce qu'il pense de votre travail? Il y a 2 ans, 3 ans, je crois, c'était 3 ans 2017, je crois. Alors comment ça s'est passé? On a contacté. De son côté, il y a les pierres moulées, mais il y a aussi les pierres fondues, hein, il y a tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'il pense de l'ensemble de votre travail? Ah ben, ce qu'il pense, pareil, professeur Davidovits, depuis que le film est sorti, on a eu juste un petit échange par email qu'il n'est pas d'accord avec le film. Ouais. Sur quel point il le dit? En fait, lui, parce que Joseph Davidovits, il dit c'est des géopolymères, donc du béton, mais les Égyptiens n'ont pas fait que ça, ils ont aussi taillé des pierres. Donc ça n'a pas de sens, cette théorie. Et pour ça vous, non? Ça n'a pas de sens du tout.
Le film, il est fait avec du béton, mon film, K 2019, il est fait avec du béton géopolymère. Mais moi, je propose une autre théorie, que ce n'est pas du géopolymère. Certes, c'est du béton, okay, c'est du béton, oui, mais ce n'est pas du géopolymère. Quelle différence? Alors, la différence... En deux mots, hein, c'est très court. En deux mots. Si vous voulez, pour faire du géopolymère, vous prenez une mélange, vous prenez de la chaux, vous prenez du bicarbonate de sodium, en fait, 3-4 éléments, vous les mélangez et ça vous fait du béton, ce qu'on appelle géopolymère. Mmh. Moi, je propose que les Égyptiens, ils ont, avec les lentilles solaires, ils ont fait fondre le granit, mais pour le béton, parce qu'il y a du béton de calcaire, ils ont calciné les pierres de calcaire. Quand on prend une pierre de calcaire, quand on calcine la pierre de calcaire avec de la haute température, hein, que ce soit du bois ou avec les lentilles, ou avec les lentilles solaires, ça fait de la chaux. Okay, la pierre, il va se friter et du coup, on a de la chaux blanche. Ça, c'est la pierre de calcaire. Mais si la pierre de calcaire contient de l'argile, si on fait chauffer ça à très haute température, à 1000 degrés, ça va nous faire un ciment. C'est comme le ciment de Portland, le ciment qu'on achète dans les grandes surfaces. Les lentilles dont on parlera un peu tout à l'heure ont été utilisées pour le granit, mais aussi pour le béton. Exactement. D'accord. On a fait du ciment. Ensuite, ce ciment, on a mélangé avec du calcaire sur place, hein, des gravats et des petits calcaires trouvés sur place, et avec de l'eau. Et on a fait du béton. C'est exactement comme le béton d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète du ciment, on achète des gravats, des cailloux, du sable, on met de l'eau, on les mélange, alors, et on fait du béton. Je rassure tout le monde, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais je veux finir d'abord la partie 1 sur la démarche, et après on ira dans les détails. Donc, moi, ce que je remarque dans votre critique des autres théories, c'est des choses qui me parlent, que je trouve intéressantes, c'est que... Et puis, évidemment, dont je pense qu'on peut être d'accord, et puis une fois qu'on sera d'accord avec ça, on pourra avancer pour la suite, c'est que celui qui avance quelque chose le prouve, donc c'est la charge de la preuve, c'est pas à vous de prouver qu'il n'y a pas d'Atlante, c'est bien à eux de prouver qu'il y en aurait, on est d'accord. On a le fait... Oui. On a le principe des hypothèses ad hoc, qui sont des hypothèses qu'on vient pour rafistoler une théorie lorsqu'on a des éléments qui viennent nous contredire, donc ça... Venir avec des hypothèses ad hoc, ça, c'est pas toujours faux, mais c'est pas très propre en science, il faut éviter absolument. Parce que si je viens avec plein d'hypothèses ad hoc, alors on pourra jamais montrer que j'ai tort, même si j'ai tort. C'est la même mais voilà, donc bon, c'est pénible. On a l'argument de l'ignorance, qui est utilisé beaucoup par Grimaud, mais aussi un peu par vous, à savoir que là, on ne sait pas comment ils ont fait, et parce qu'on ne sait pas comment ils ont fait, enfin parce que moi je ne sais pas comment ils ont fait, alors je suppose qu'ils sont faits comme ça, et... J'estime que c'est vrai. Et on a l'argument de l'incrédulité personnelle, qui est un peu la même chose, qui dit « Moi, je ne crois pas qu'ils ont fait ça, alors ce n'est pas possible. » De manière générale, tous ces ingrédients-là, on les retrouve dans beaucoup de théories alternatives. Et à chaque fois, c'est sur ces éléments-là qu'on se bat avec les tenants-croyants. Donc j'espère que, dans la discussion qu'on va avoir, on va éviter l'argument de l'ignorance, l'argument de l'incrédulité personnelle, les hypothèses ad hoc, et alors on se demande la charge de la preuve. Si on évite tout ça, vous pouvez me convaincre. C'est okay. Le challenge de ce soir. Si on retombe dans ces éléments-là, je ne vais pas pouvoir accepter. C'est OK pour allez, ça on essaie. D'accord. Non, alors, j'ai une dernière question, et après je fais la petite transition vers la partie 2. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un film au lieu de prendre un format qui serait beaucoup plus simple pour que les chercheurs passent du temps à s'intéresser à vous, à savoir, j'écris un texte, 10, 20, 50 pages, où chaque affirmation, il y a une source qui renvoie vers quelque chose qui montre que c'est vrai. Parce que dans votre film, il n'y a pas de source. On écoute une histoire, on y croit, on n'y croit pas, mais on ne peut pas dire cette phrase-là, elle est reliée à tel ouvrage de telle année, et on ne peut pas aller le voir. Pourquoi ne pas avoir fait, en gros, un livre ou un article? Alors, ça, j'ai pensé dès le départ. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un article? En fait, d'ailleurs, dès le départ, j'ai commencé à écrire tout ça. Sur du papier, tout de suite, c'était très très compliqué. Hein. C'était très compliqué, ça m'a fait des dizaines, des vingt, une trentaine de pages, je ne sais plus combien. Et j'avais vraiment du mal à ranger, en fait, à me retrouver là-dedans. C'était très très compliqué. Ouais. Okay. Et donc, en livre, je me suis dit,
Je ne pouvais pas. En fait, on ne peut pas expliquer la construction de la pyramide des divers éléments dans un livre. Pourquoi? Okay? Sinon, il faut faire un livre de 2200 pages. Ce n'est pas possible. Bah, on peut faire une petite partie. Possible. Petite partie sur le béton. Non. Par exemple, vous avez une... Écoutez, vous avez, par exemple, vous devrez montrer un angle du coffrage dans la pyramide. Ça, en 3 secondes, avec la caméra et l'animation, vous démontrez ce qu'ils font. En 3 secondes chrono, pour décrire cette partie-là, il vous faut 10 pages. C'est pas possible. Alors, moi, je nuancerais, je dirais que ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Oui, c'est possible, tout à fait. Mais pour décrire la construction de la pyramide, qui dure dans le film autour de 1h30, là, il vous faut au moins 600 pages. Mais Grimaud prétend qu'il les a écrites, il a écrit 4000 pages. Est-ce que Fémy Krasniqi serait un feignant? Ah non, je ne suis pas un feignant, mais là, aujourd'hui, les gens ils vont se perdre. Il n'y a personne qui a le temps pour lire 4000 pages ou 1200 pages, etc. Bon. Les gens, il faut que l'information soit rapide, il faut que ce soit donc votre bien réponse, fait, oui, d'accord, etc. Mais moi, je pensais que vous vouliez convaincre les experts et les scientifiques que votre théorie était... Pareil, non, mais c'est aussi valable pour le public, parce qu'il faut convaincre et le public et les experts. Donc, pourquoi convaincre le public? Comment? Enfin, moi si j'avais une théorie sur quelque chose, je voudrais aller vérifier si les experts sont d'accord, leur critique, et les convaincre eux. Et une fois qu'eux sont convaincus, eh ben, on fait un truc ensemble et on montre aux gens. Pourquoi commencer par convaincre le public et les experts en même temps? Ça me paraît compliqué, en fait. Non, la démarche, c'est convaincre les deux. Et le public, ouais, mais et les experts. Ça me paraît compliqué. Ben non, pourquoi c'est compliqué? Ben, ça me paraîtrait plus simple, plus logique et plus honnête. C'est-à-dire, d'abord, je vais voir ceux qui sont experts, je me confronte à eux et je les convainc, et une fois que je les ai convaincus, hop, ensemble, on montre aux gens ce qu'on a trouvé. Plutôt que je récolte de mon côté, je ne suis pas sûr de ce que je fais, je montre à tout le monde et puis on verra bien ce qui tient. Oui, ben, c'est une démarche correcte. Pourquoi faire l'étape A, ensuite l'étape B, qu'on peut proposer une théorie à tous les deux, ouais, et au public. Si votre film, il y a pas de souci. Si votre film, si vous aviez discuté avec des experts avant de le faire, peut-être qu'il y aurait des choses que vous auriez faites différemment parce que vous auriez anticipé des critiques. Et donc votre film, il aurait été d'une qualité supérieure si vous aviez fait le travail d'aller voir les experts avant. C'est ça mon... Oui, mais si vous, encore, on revient au début, si j'allais contacter un égyptologue et j'allais lui dire, bon, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pensais du bête. Temps, etc. Faites avec ci et ça. Bon. Là, désolé, il allait me dire, non mais monsieur, ça c'est quelque chose déjà vu, merci, au revoir. Donc, c'est des pierres taillées au burin de cuivre. D'accord, donc vous pensiez ne pas pouvoir les convaincre? Bah, et c'est des deux, c'est multifactoriel. Et de ne pas pouvoir les convaincre, de une, et de deux, parce que je n'ai pas de référence, je suis monsieur personne, sans référence, etc. Donc, okay. Alors, il y a deux... Très bien. On peut trouver... Non, mais j'ai entendu la réponse. Mais on va passer à la partie 2, parce que là, on est déjà en retard. Avant de passer à la partie 2, je fais ma petite réclame. C'est-à-dire que je remercie Lise, qui est aux commandes du live ce soir, qui réalise tout ça avec ses doigts de fée. Vous pouvez évidemment mettre plein de petits cœurs dans le chat pour la remercier. On remercie également tous les gens qui sont à la modération. Bled, qui est parti là-bas pour modérer et faire remonter les questions. Je remercie également, parce que cette émission, j'ai préparée quand même sérieusement. Et donc, il y a des gens qui m'ont aidé. Gollum Illuminati, Rationalitude, Faustine, Alexis Sédouk, avec qui j'ai eu des échanges pour pas me tromper dans ce que je vais raconter ce soir, donc merci beaucoup à eux. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain Tranchant Live, c'est le 27 mai, c'est dans une semaine. On va parler avec Marc-André Sellos, qui est un chercheur, de comment naît un papier scientifique. Comment, depuis l'idée de quelque chose, on arrive au papier final qui est soumis et qui est publié et qui est la vraie matériau de la littérature scientifique, avec tous les problèmes que ça pose par rapport aux éditeurs, et notamment il est à l'origine d'une pétition pour que les éditeurs arrêtent d'être des mafieux qui piquent tout le pognon de la recherche parce que c'est pénible. Partie 2, des pierres moulées et des roches fondues. Alors, donc cette théorie des polymères que vous avez reprise et modifié, parce que vous, c'est des pierres calcinées. Pourquoi est-ce que la science en vigueur n'était pas suffisante? Pourquoi vous avez rajouté cette hypothèse-là? Qu'est-ce qu'il fallait expliquer que n'explique pas bien
la science normale qui dit, ben voilà, on avait des carrières à Gizeh, on avait des carrières à Toura, on avait des carrières à Assouan, on a pris les pierres là-bas partout, hop, on a assemblé dans la pyramide, ça paraît logique, ça me paraît pas fou. Pourquoi vous, ça vous convainc pas, il fallait autre chose? Pardon. Donc déjà, il y a un problème d'énergie, ok. Pour comprendre la chose, hein, globalement, aujourd'hui, on construit des maisons et des immeubles en béton, ok. Alors, pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite, ok. Ça va très vite, ça coûte pas cher, et donc on construit des maisons en béton et non pas des pierres. On ne va pas tailler des pierres, couper des pierres avec des ciseaux, etc. Parce que ça prendrait 10 ans à construire une maison. Et aujourd'hui, on fait du télétravail parce que c'est plus simple aussi. Mais à l'époque, on n'avait pas. Oui. Et donc, quand je reviens un petit peu donc, sur les béton. Sur le béton. Et donc, ça va. Une maison en béton, on va le construire en... Allez, je dirais en un an. Et en pierre taillée, ça prendrait 10 ans. Donc, on va couper les pierres, les tailler, compagnie, les coller, etc. Et ça, okay. Attendez, ça, c'est les critères d'aujourd'hui. Il y a un problème anachronique à considérer que les anciens égyptiens devaient penser comme nous. Ça me paraît coûteux. Alors, maintenant, pour que vous compreniez et le public aussi comprenne la logique. Donc, aujourd'hui, on fait ça parce que c'est rapide et simple, ça coûte pas cher, moins d'énergie et compagnie. Alors, pourquoi, comment ça se fait que les Égyptiens, il y a 4000 ans, c'était des primitifs, ok? Donc, ils n'avaient pas cette technologie-là, et ils étaient hyper costauds, parce que pour tailler une pierre, et pour le pousser, et le tirer et compagnie, ça demande des kilocalories. Oui, ça veut dire alors, que vous devez manger 4000 au moins. Je dois protester, parce que primitif, c'est un mot qui est chargé, et que moi, je n'emploierai jamais. Et il y a encore peu de temps, pour les cathédrales en Europe, on avait des grosses pierres qu'on déplaçait. Non, attendez. Les cathédrales non plus, c'est pas en pierre taillée? Non. Les cathédrales aussi, c'est du béton. D'accord. Bon. Oui. Bon, bah, dans ce cas-là, mon argument s'écroule, évidemment, sauf si j'ai raison. Mais alors, du coup, le béton, c'est parce que ça va plus vite et que... tailler des pierres, c'est irait lentement. C'est ça l'argument? C'est un argument. Il y en a d'autres qui se rajoutent à l'équation. Hein. Donc, un argument, plus ça, etc. Mais donc, comment ça se fait que les scientifiques, ils estiment que en 20-27 ans, la Grande Pyramide, ils estiment que par rapport au nombre d'ouvriers, par rapport aux ressources, etc., en fait, pour eux, ça tient. Pourquoi ils auraient tort de penser que cette hypothèse-là, elle est valide? Non, ils ont. En fait, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer 20 ans avec leur théorie. Ils n'ont pas calculé. On a plus ou moins des dates. On a aussi récupéré des papyrus il y a peu de temps où on a aussi des dates et c'est à la fin du chantier. On sait que c'est à peu près. Et là, peut-être que je me gourre, mais c'est entre 25 et 27 ans, je crois. Voilà. Parce que c'est. Mais après, si vous ne savez pas comment ils ont fait, c'est dommage. Vous devriez savoir comment ils ont calculé pour pouvoir dire que c'est faux. Oui, mais en fait, je ne sais pas comment ils ont calculé. Ça serait bien que quelqu'un, un égyptologue, m'envoie un document, une source, comment ils ont calculé que la pyramide est faite. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que les égyptologues vous écrivent à vous pour vous expliquer à vous, parce que c'est leur travail de vous expliquer à vous pourquoi est-ce que leur théorie est correcte. Peut-être qu'il faut relire les bouquins. Ok, Thomas, juste que si c'est possible que je puisse terminer la phrase. Hein. Donc après, parce que là, on va se chevaucher, voilà, le public, il va rien comprendre. Donc, je ne sais pas comment les égyptologues, ils ont calculé 20-25 ans de la construction de la pyramide avec des pierres taillées. Ça, je ne sais pas. S'il y a un égyptologue qui a fait une étude là-dessus ou qui a la source des calculs, etc., ça serait bien sympa de m'envoyer une copie, comme ça, je lirai. Par contre, moi, le calcul de la pyramide, j'y vais encore plus fort. Non pas en 20 ou 25 ans, mais en 13 ans. Okay, vous avez les calculs dans le film. C'est-à-dire, les Égyptiens, à mon sens, ils ont construit la pyramide avec du béton en moins de 13 ou 15 ans. Encore plus vite que les Égyptiens. Sur quel élément textuel d'époque vous basez pour dire que 13 ans,
c'est plus correct par rapport à ce qu'on sait du terrain que 27 ans? Eh ben, je fais tout simplement en calculant par exemple la mélange du C'est béton, pas ma question. le Pas ma transfert des question. Ma paniers. question Ah, c'est, la attendez, pousse, le ma document. question c'est quel élément factuel de texte, de gravure, de choses vous permet de dire, voilà, là on a des éléments qui m'incitent à penser que la pyramide elle a dû être construite plus vite que ce qu'on nous dit. Il faut une théorie nouvelle pour expliquer pourquoi, comment ils ont fait pour la faire en si peu de temps. C'est ça qu'il faudrait pour que votre théorie elle apporte quelque chose. Mais si les faits qu'on a nous disent, elle a été faite en 27 ans, bon, et que les experts nous disent, bah, avec des pierres taillées, ça dépend de 27 ans et que ça marche, bah, on n'a pas besoin de vous. Oui. Alors, des documents, pardon, pardon. Des documents, il n'y en a pas. Hein, sinon, il n'y aurait pas de film K Il n'y a 2019. pas de C'est ça le documents? problème. Ben non, on n'a pas de documents sur la construction de la pyramide. On n'a pas de documents. Ah. En combien de temps? Ok, y a pas. Quand elle a commencé, quand elle a fini, il n'y a pas de documents précis. Moi, je pose une théorie que la pyramide. Elle est alignée, en fait, les deux tunnels sont alignés par rapport à l'étoile Anilam et Sirius. Et là, je donne une date approximativement 2000, 2560, 50 ans plus ou moins. Okay? Parce Oui. que Sirius et Anilam, la constellation d'Orion, c'était sacré, etc. Et donc, les Égyptiens, ils ont daté la construction de la pyramide une fois pour toutes, pour toute la vie. Pour des milliers d'années, avec ces deux étoiles-là, les deux conduites, la conduite de la chambre médiane et la conduite de la chambre du roi, ok, ils pointent le Sirius et Anilam. Et il y a une date, et ça se passe, voilà, autour de 50 ans ou plus ou moins, Bon. et uniquement dans cette plage Bon, ça, 2560. c'est un argument astronomique. Complètement. D'accord. Mais alors, il y a quand même des documents qui existent. Il y a notamment, sûrement vous l'avez lu, l'ouvrage de référence de Dieter Arnold sur Building in Egypt, Ouais. publié chez Oxford en 91. Ça, vous l'avez lu? Ça me dit quelque chose, j'en ai lu Alors, tellement. qu'est-ce qu'il y a dans Mais... ce livre qui vous plaît pas, qui vous permet de dire, dans ce livre-là, telle chose n'est pas suffisamment expliquée et moi j'ai mieux. C'est comme ça qu'on fait en science, hein. On prend ce qui existe et tout ça, vous avez dit, vous êtes d'accord, en science, avant de dire quelque chose, on étudie tout ce qui existe et après on juge. Donc il faut juger ce qui a été fait par les égyptologues, donc ce bouquin-là, Vraiment, qui en ouais. plus est disponible. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin qui ne marche pas pour vous? Alors, Didier Arnold, sincèrement, j'en ai lu, mais un paquet. Faut... Là, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai contredit. Faut que je rouvre le PDF, hein, le document. Ouais. Mais... Bon, parce que quand moi je l'ai pas lu ce livre, hein. On l'a parlé, on m'a dit ce qu'il y a dedans, etc. Il fait référence. C'est pas à moi de le défendre, c'est à vous de dire ce livre-là qui fait référence. Moi, je sais qu'il est faux pour telle et telle raison, parce que moi j'ai fait un film. Mais c'est vous qui l'avez fait, c'est pas moi. Mais bon, on va passer. Oui? Mais des livres, Thomas, des livres sur la construction des pyramides, vous savez combien il y en a? Il y en a Il beaucoup, y en mais a celui-ci, mais tout. 50 000, 56 000, je sais Tous pas. n'ont pas Ouais. été faits par des égyptologues qui bossent à Oxford. Oui, tout à fait. Mais voilà, comme ça dénonce, je me souviens très très bien, Didier Arnold. J'en ai un paquet de documents, de livres sur les pyramides. Dieter Arnold. Oui, Didier Arnold. Mais en théorie, plus exactement où je le contredis, voilà, j'arrive pas à me souvenir. Peut-être D'accord. voilà, je vais Bon, refaire une petite on va passer, recherche. c'est pas grave, Mais... on va passer. Parce que moi, en gros, fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est, selon vous, pourquoi les experts défendent l'idée que les pierres sont taillées? Pourquoi ils défendent que les pierres sont taillées? Voilà. Ça c'est une bonne question, j'en sais pas. En Mais. fait, alors peut-être on est entré dans un mauvais chemin, okay? Si vous voulez, dans une mauvaise direction. C'est comme j'explique, je sais pas, donc là où je l'ai dit comme ça. Vous savez, les rails aujourd'hui en France vont différents. On a un système de train de différent que les autoroutes. Les autoroutes, elles vont dans le sens à gauche-droite,
nous, les rails des trains vont dans une direction de gauche-droite. C'est comme le système anglais, d'accord? Par exemple, le train qui vient, il vient de gauche, et le train qui part, il part de droite. D'accord. Complètement, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, les trains roulent à gauche lorsqu'il y a deux voies, d'accord, admettons. Voilà. Non, mais c'est ça, le système français. C'est comme le système anglais. Oui. Si vous allez en Angleterre, en voiture, vous allez rouler à droite. À gauche. En voiture, oui, vous allez rouler comme ça. OK. Je cherche le lien, mais je vous suis, mais je ne sais pas où on va. On va où? Voilà. OK. Donc, si vous irez à Londres en voiture, vous allez rouler à gauche et la voiture qui vient, elle va rouler complètement à droite. Vous allez être perturbé, okay, mais vous allez s'y prendre rapidement, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un système anglais. Donc, en France, le système des trains, en fait, les trains, c'est comme ça partout. Okay, c'est différent des routes et des autoroutes, d'accord? C'est-à-dire, c'est un système qu'au départ, il est déployé pour faire une petite section dans la construction des chemins de fer au début. On a construit 5 km et puis on s'est dit, avec le système anglais, et puis on s'est dit, allez, encore 10 et 20 et 30 et 200. Et du coup, ce système a resté une fois pour toutes. C'était un système erroné, OK? Mais bon, ça vous dites, il y a une contrainte structurale historique contingente. On a commencé comme ça, mais je ne vois pas le rapport avec ce dont on parle. De changer maintenant toute l'infrastructure, okay, de passer tous les trains en France à droite et toutes les autres qui arrivent à gauche, ça nécessite énormément, énormément de travail, de boulot. Il faut changer toutes les usines, etc., toute l'infrastructure. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on va laisser comme ça, ça marche très bien, et puis au revoir. Eh bien, les égyptologies, c'est à peu près la même chose. Donc, on se dit des pierres taillées. On va laisser ça, il y a des questions qu'on ne répond pas à la construction, et puis on va laisser un petit peu ça comme ça, ça marche très bien. Aussi, donc les égyptologues actuels ne se posent pas de questions, ils ont hérité l'idée que c'est détaillé, ils restent là-dessus. Oui, il y a ça son étude. Donc vous les prenez un petit peu pour des glands. Non, il y a aussi ça son étude. Ça, c'en est une. C'est multi, hein, c'est plus, ça fait ça. Et la deuxième aussi, c'est que ça fait du bien de maintenir le mystère de l'Égypte. Hein. Quand vous dites à un gars, à un touriste, voilà, tu vois le bloc là qui fait 50 tonnes, eh ben, ils l'ont poussé avec des bœufs et des machins. Donc, le gars, ils ne se rendent même pas compte. Hein, ils ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Moi, je pense que le chercheur qui pourrait démontrer que depuis des générations, on a tort, pour sa carrière, ça serait très bien. Mais du coup, puisque vous n'avez pas la réponse à pourquoi est-ce qu'ils défendent, moi j'ai la réponse. Alors, et la réponse, c'est Wikipédia. Donc, j'ai vraiment pas été chercher très loin, et il y a plein de réponses ailleurs, parce que quand on s'intéresse à la question, il y a plein d'ouvrages, et je suis étonné que vous ne les citiez pas. Dans un article de 92, Robert Louis Falk et Donald Harvey Campbell soutiennent au contraire, donc c'est par rapport au Pierre Moulet, hein, que l'hypothèse de David de Witt est incompatible avec l'analyse géologique des blocs de la pyramide. Sans eux, les dimensions et les formes des blocs ne sont probablement pas le produit de la coulée dans des moules en bois, et certains blocs présentent des marques d'extraction. Et par ailleurs, on a des carrières avec des outils, avec des blocs encore en place, donc on a des raisons de penser qu'il y avait des blocs qu'on avait coupés. Et une autre étude de 2012, dans la revue Europhysics News, fait ressortir par des mesures de paléomagnétisme, donc on va mesurer comment sont orientés les cristaux dans les pierres. Alors ils ont fait ça sur très peu d'échantillons malheureusement, mais bon, on a quand même quelques résultats, montre que certaines pierres de la Grande Pyramide de Khéops ont un paléomagnétisme orienté nord-sud, compatible avec l'hypothèse de la pierre reconstituée, mais pas toutes. Et le « mais pas toutes » réfute l'hypothèse. Parce que certaines pierres ne sont pas orientées nord-sud, alors elles ont été bougées. Et si elles ont été bougées, elles n'ont pas été moulées sur place. C'est pour ça que les experts n'acceptent pas la théorie des pierres moulées. C'est ça la réponse. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur dit à ça ? Là, on rentre vraiment en détail. Ah oui, alors, un peu. Oui, si vous voulez, très bien, on rentre. Très bien. Oui, j'ai lu cette étude. Donc, il y a trois échantillons qui sont orientés au nord, qui sont magnétisés au nord, et d'autres
qui ne correspondent pas. Alors, je ne sais pas lesquels, ok. Est-ce qu'on a bougé les pierres, ok, parce que peut-être on les a bougées manuellement. Est-ce que c'est vraiment une analyse correcte, ok. Il faut se poser aussi cette question. Est-ce que c'est vraiment... Donc, il y a pas mal de choses. Donc, l'analyse, là qui... elle serait correcte si elle vous donnait raison? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas lu l'analyse en détail, c'est-à-dire, voilà les 6 échantillons. Ouais, donc, okay, sur 6, c'est peu. Hein, déjà. C'est-à-dire, une analyse où on voit... Oui. Attendez, je termine, juste une petite seconde. Donc, j'ai pas vu l'analyse bien détaillée, c'est-à-dire, voilà, l'échantillon A, 1, 2, 3, jusqu'au 6e, et les 6 échantillons, voilà, avec la direction du nord, en fait, la microgrammétrie orientée au nord ou au sud, ça, je l'ai pas vu en détail. J'ai vu simplement les photos, en fait, les images des 3 premiers échantillons, les 3 autres, je les ai pas vues. Donc, je ne dis pas qu'il y a du faussaire ou du je ne sais pas quoi, mais voilà, l'analyse que j'ai vue, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils ont sorti. D'accord. Que les 3 autres, ils ne sont pas orientés avec le nord. Peut-être ont été bougés, peut-être l'analyse, pierres... je ne sais rien. Il y a... Oui, mais enfin, quand on regarde votre film, les pierres, on ne peut pas les bouger puisqu'on les moule sur place. Comment voulez-vous tout qu'on les fait, bouge? C'est ouais. Elles sont... Elles sont cimentées, elles sont collées au socle. Oui. Bon. Bah, peut-être il y a un pierre. Non. Comment on explique pierre... la présence de mortier entre les blocs? Non, attendez, parce que là, vous avez posé une question. Donc, peut-être 2000 ans plus tard, une fois le parement est tombé, la pierre a bougé et du coup, on a fait un mauvais prélèvement sur la pierre qui a bougé. Ah. Ok. Ça, c'en est une. Ça, c'est une hypothèse ad hoc. Je connais pas l'étude en détail. D'accord. J'ai vu l'étude. Il y a dans l'étude, on montre 3 échantillons. Les 3 autres, ils ne sont pas montrés. Je ne les vois pas. D'accord. Les 3 autres. Bon, juste pour dire que voilà, quand je vous pose la question, pourquoi est-ce que les experts sont pas convaincus? C'est ces études-là qu'il faut me dire que voilà sur quoi les gens se basent pour ne pas accepter ma théorie, et voilà pourquoi ces études sont pas suffisantes pour moi me convaincre. Mais j'ai pas les éléments, parce que du coup il faut que moi je vous apporte la raison pour laquelle on n'y croit pas, et d'ailleurs j'ai pas la réponse sur pourquoi est-ce que ces études-là elles sont pas convaincantes. Ensuite, oui. c'est pas compliqué. Là, si vous voulez, les égyptologues ils peuvent y aller sur place pour faire des prélèvements en photo, vidéo, etc. On peut refaire les études, hein, y a aucun souci. Hein. Des pierres là, il y en a 6 millions de tonnes, hein, y a pas que ça qui manque. Donc on fait des prélèvements, s'ils souhaitent, ils peuvent faire encore une centaine, des milliers de prélèvements pour sortir le paléomagnétisme. Oui, mais on peut pas prélever n'importe quoi sur les monuments historiques. C'est quand même... voilà. Mais bon, juste pour dire qu'il y a des études comme ça, il y a des vraies raisons pour lesquelles on résiste à l'hypothèse des pierres moulées, parce qu'il y a quand même des faits étranges. Et notamment, tout repose sur l'idée que les Égyptiens n'étaient pas capables de... Enfin, en tout cas, c'était trop compliqué de couper le calcaire, notamment avec les outils en cuivre. C'est ce que vous dites, hein, les outils en cuivre, je n'y crois pas. C'est ce que vous dites, il me semble. Oui. Alors, vous connaissez sans doute le travail de Denis Stocks. Oui. Donc, lui, il a écrit des bouquins ça, et il a fait des vidéos. Sais, très bien. Et lui, il montre en vidéo que... Alors, évidemment, les outils en cuivre, c'est pas idéal, mais qu'on peut... coupé avec du cuivre et du sable. Et en plus, il se trouve que le cuivre égyptien, ils ont eu un coup de bol historique. C'était pour ça que leur civilisation a pu faire des trucs comme ça. C'est que leur minerai de cuivre, il est pollué à l'arsenic. Et, enfin, il y a des traces. Et l'arsenic renforce le cuivre. Donc, ce n'est pas du vrai cuivre comme on en a. C'est le cuivre plus solide. Et quand on regarde les travaux expérimentaux sur le terrain, l'archéologie expérimentale, je ne dis pas qu'ils le font facilement, mais ils arrivent à reproduire les blocs qu'on a dans la pyramide. Oui. On est d'accord. Alors, j'ai vu des vidéos. En fait, j'ai lu les travaux de Denis Stock. J'ai vu aussi ses expérimentations qui sont aussi dans le film. Mmh. Il y a aussi d'autres expérimentalistes. Il y a les expérimentalistes russes. Il y a un russe et un autre gamme qui ont fait des essais en vidéo comment on coupe le granit avec du sable et de l'or. Ok, avec des scies en cuivre. Oui. Bien entendu, hein, pas la cuivre du pur cuivre, parce que pur cuivre, c'est très mou, elle est molle.
c'est de la cuivre avec de l'arsenic, ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors là, pardon, ça, pour que le public comprenne, c'est faisable. Oui, on peut couper le granit, le basalte, ce que vous voulez, on peut couper. C'est faisable. J'ai jamais dit non. D'accord. C'est faisable. Mais ils, les Égyptiens, ils n'ont pas coupé comme ça le granit. Ils alors, n'ont pas comment, fait. Comment vous savez ça? C'est ça, madame. Alors, si c'est possible, je vous envoie des photos qu'on puisse ouvrir. C'est pas possible parce que là, actuellement, Lise, c'est pile le moment où il fallait pas. Lise est partie du clavier. Elle revient. Elle s'est absentée. Donc, elle revient dans deux minutes. Donc, on verra après les images. D'accord, ça serait bien qu'on ouvre l'image, l'image que je vous ai envoyée, le temple de Mykérinos. Là, dans ce temple, en fait, devant la pyramide de Mykérinos, à Gizeh. Bon, les chats. Un chat qui... les chats sont en train de se battre, tout va bien. Oui. Ce sont des chats égyptiens. Bon, des chats, oui. Apparemment, il y a quelque chose là, les chats, ce qu'on est en train de parler avec le granit, il y a quelque chose. Hein, parce que les chats en Égypte, c'était sacré. C'était très, très sacré. Oui, mais on va pas développer ça pour l'instant. Donc, tout à fait. Donc, Mykérinos. Et donc, devant le temple, si on peut l'ouvrir les mains, ça serait très, très bien. Dès qu'elle revient. Dès qu'elle revient. Okay. Et donc, là, devant. Je démontre aussi dans le film, devant le temple de la pyramide de Mykérinos, on voit les pierres en basalte. On voit ces pierres-là et les côtés sont bien, très bien lisses. C'est comme s'il y avait un coffrage, okay, un coffrage en argile, hein, ce que je suppose moi, parce qu'elles sont très droites. Et là, vous me parlez de basalte. Nous, on parlait de pierres reconstituées. Je ne comprends pas le lien. Oui, attendez, je suis sur le granit. Moi, j'étais sur le calcaire. Non, bon. Et donc, là, les pierres, c'est comme si on a un coffrage, donc ça serait bien qu'on regarde les images. Comme ça, je ne parle pas, ça va être compliqué pour les spectateurs à suivre ça, sans l'image. Il faut faire sans parce que Lise n'est pas là. Mais elle va revenir. Ok. Et donc là, on voit que les pierres, c'est comme si on a un coffrage et on a rempli ce coffrage, on a rempli et du coup le basalte, il a débordé. Débordé. Lise, si tu nous entends, si tu es revenu, il faudrait mettre l'image des pierres à Mykérinos. Mais j'ai pas le nom de l'image, donc. Mais bon. Alors en gros, ça Mykérinos. Ressemble... Oui. S'appelle Mykérinos basalte fondu. Mykérinos basalte fondu, si vous voulez mettre l'image comme ça, on va regarder. N'empêche que moi, je ne vous parlais pas de basalte, je vous parlais des pierres moulées. On parlera des pierres fondues un peu plus tard. Pourquoi vous savez que, malgré la démonstration de Denis Stocks qu'on peut couper des blocs... On peut couper des blocs de calcaire pour construire la pyramide, le granit, on verra ça après. Malgré le fait qu'on a vu que c'était possible, vous dites non, ils n'ont pas fait comme ça. Moi, je dis ok, super. Comment vous savez? Non, on était sur le granit. Non, sur l'expérience. J'étais sur le calcaire, je vous assure. Denis Stocks. Non, je vous assure. Non. On était sur l'expérience, en fait, sur Denis Stocks, qui nous disait qu'il a réussi à couper le granit. D'accord. Maintenant, oui. Si vous voulez passer sur le calcaire, on parle du calcaire. C'est non, d'accord, ok, autant pour moi, c'est vrai. Et donc. Sur cette statue, vous dites que ça déborde et donc c'est comme si ça avait été rempli et qu'on avait débordé d'un moule. Bon, mais je n'ai rien à répondre à ça. C'est pas une statue. Il faut qu'on ouvre l'image. J'ai pas l'image. Ouais. Bon, je ne sais pas si on aura l'image. Mykérinos basalte fondu, c'est la première, tout en haut de la liste. Voilà, c'est ça, d'accord. Ça ressemble à des coussins sur le bord d'une fenêtre. Et donc. Pour vous, ça ressemble à un coffrage et ça aurait débordé, d'accord. Voilà. Ça peut donc très bien ça, être du basalte. Ouais. C'est du basalte. À côté, derrière, il y a des pierres en calcaire, ok. Et on voit que en bas, il y avait un coffrage, ok. Pas un coffrage en bois, mais je parle. Moi, je pense que c'est un coffrage. Vous interprétez comme quoi il y avait un coffrage, mais c'est pas une preuve, d'accord, ouais. Vous voyez, si vous voulez. Et ce coffrage, il était rempli.
C'est un coffrage bien, je dis bien, en argile. Il a été rempli avec du basalte fondu en lave, fondu, et il a débordé. Il a débordé le coffrage et hop, il a refroidi. Bon. Ok. Et donc ça, cette photo là, en fait, c'est pas une photo, il y a c'est une vidéo. Et ça, tout le monde peut aller le vérifier sur place devant la pyramide de Mykérinos. Okay, c'est du basalte. Le basalte, c'est une pierre volcanique. Oui. Le basalte, il va se former dans les chambres magmatiques, selon les théories, parce qu'il n'y a personne qui l'a vu un basalte se former dans des chambres magmatiques. Mais on a vu, par exemple, la lave d'un volcan, quand elle coule, ça, c'est du basalte. Et une fois refroidi, okay, ce basalte, il devient noir, okay. C'est une magma noire, c'est basalte, la pierre noire. Est-ce que le basalte fondu ressemble à ça, une fois qu'il est solidifié? Bah oui, comment ça ressemble à ça. Comment on sait? Bah, on a des pierres basaltiques partout, vous avez des pierres basaltiques. Oui. Mais, attendez, ce qu'on voit ici, c'est que le basalte, il a été ramolli. Donc ça, c'est indéniable, c'est visuel, c'est indéniable. C'est indéniable. Si vous voulez, je préfère, par exemple, c'est vraiment que le basalte, ce basalte-là, il a été ramolli, soit avec une technique à froid, soit avec une technique à chaud, soit du basalte fondu avec de la chimie froide, ou du basalte fondu en lave, peu importe, ça, c'est du basalte fondu. On a coulé le basalte, point. Donc, on a coulé le basalte, point. Je ne suis pas sûr qu'on ait coulé, qu'on puisse dire... Qu'on... Alors, et pourquoi est-ce que ça ne convainc pas les gens? Parce que moi, je ne suis pas allé sur Comment place. Comment ça ne convainc pas les gens? Mais la photo ici, et c'est une vidéo, si ça, ce n'est pas convaincante, je ne sais pas... Le basalte, il est là depuis 4000 ans. Donc, ça fait 4000 ans qu'on aurait dû voir. Donc, de toute évidence, juste le voir n'est pas suffisant. Il y a plein de gens qui l'ont vu et qui ne se sont pas dit « Tiens, c'est du basalte fondu ». Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont concentrés sur les pierres, sur les pyramides. Ils n'ont pas remarqué celui-là, je ne sais pas. Mais donc, ça, c'est un petit peu des glands. D'accord. Ramolli. Bon, toujours est-il que... Et, oui. Et ce qui, en fait, c'est là où c'est la chose la plus importante. Parce que là, si on pose la question un petit peu plus loin de l'analyse, comment on a fait ramollir le basalte qu'il est trois fois plus dur que la pierre dorée, que la pierre en calcaire. Ouais. Comment est-ce possible de ramollir le basalte, l'un des pierres les plus dures sur Terre? Et là, ça démontre qu'il y avait un savoir, une technologie, et ce que je propose moi, avec les lentilles solaires, on a fondu le basalte. On va parler des lentilles solaires, mais du coup, on parle de granit. Est-ce qu'on peut montrer l'image que moi j'avais demandé, qui passe à Assouan, où on a une grosse statue inachevée, qui est encore, c'est celle-là, voilà, qui est encore restée à Assouan. Vous nous dites que les statues en granit ont été fondues en Égypte. Moi, je vois ça dans la carrière. On voit qu'il n'y a pas de moule, qu'elle n'est pas finie, et que de toute évidence, celle-ci, elle a été taillée et elle n'a pas été finie. Quelle est votre avis? Je ne vois pas l'image. Eh bien, vous la voyez sur YouTube. Il faut regarder le live sur YouTube. C'est une image assez connue. Il y a une grande statue de Pharaon qui est couchée par terre dans une carrière. Elle n'est pas finie, donc elle est taillée de manière grossière. Il n'y a pas de détails. Et si ça avait été moulé, on aurait un moule qui est fini. On glisse dans le moule le granit fondu. Et dès qu'on démoule, elle est finie. On n'a pas besoin de tailler parce que tout le but, c'est que ce n'était pas taillé. Comment on explique ça? Moi, mon idée, c'est que du coup, l'hypothèse comme quoi c'est des granites qu'on a bêtement taillées, elle est plus solide. Puisque ça, on peut l'expliquer facilement. Non, en fait, non. Vous avez des statues. Par exemple, au musée métropolitain à New York, en fait, partout, à Louvre, etc. Vous avez des statues où on voit des traits. C'est comme si... ont été faites sur du beurre. Vous voyez, vous avez le beurre de la cuisine, vous prenez un petit couteau, vous tirez un trait, et vous avez un trait sur le beurre. Les statues, par exemple, de Sénoussret, et comme ça, il y en a des centaines, des milliers, dans tous les musées, on voit des traces, c'est comme si on a fait
a fait des traits. On a des gens qui sont extrêmement doués dans leur travail. C'est pour ça qu'on leur confie la confection de statues extrêmement précieuses pour le pharaon. Ça n'est pas étonnant que le travail soit bien fait, vu que c'est les meilleurs. Non, non, ça, Non, c'est bon. taillé, oui, les Donc là, meilleurs, les on est meilleurs. sur l'incrédulité personnelle. Ben, je. C'est le deuxième élément dont j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'on les trouve, hein. Si on les trouve, moi, ça rabaisse mon niveau de confiance dans ce que vous dites. Oui, moi, je ne crois pas que ça a pu être fait comme ça par des artisans. Il faut que ça ait été moulé. Moi, je vous réponds, un très, très bon artisan, et d'ailleurs, on pourra évoquer tout à l'heure peut-être la statuaire plus récente, on a des chefs-d'œuvre, on a des détails d'une précision absolument renversante, et on sait comment les artistes les ont fait. Ils les ont fait avec un burin. Non, mais c'est ce que vous pensez qu'ils C'est ont ce que fait je pense, avec un d'accord. bureau. Bon, très bien. Est-ce que vous pensez? En fait, qui c'est qui a raison? C'est le burin ou du granit coulé? En fait, quel est qui est-ce qui a raison? Tout Parce que soit l'un, soit l'autre, il a à raison. fait. Ou C'est l'un ou peut-être c'est l'autre. Eh ben, soit l'un, soit alors, l'autre, j'ai peut-être besoin ni l'un qu'on ni l'autre. revienne quand même. Attendez, parce Oui. qu'on se chevauche là avec la conversation, on ne se comprend plus. Donc, alors, c'est soit l'un, soit l'autre, soit le troisième ou le quatrième. Bref, OK? Maintenant, est-ce qu'on a essayé de faire une statue? Je prends l'exemple, les vases de Nagada. Okay? Est-ce qu'on a essayé de faire une vase de Nagada Ça, comme vous avez eu le cette conversation avec des gens qui vous ont répondu oui. J'ai pas la réponse, vase? mais à votre Non. question, j'ai eu des gens ont dit oui, on a réussi à reproduire le même type. Mais encore une fois, si on demande aujourd'hui à des gens de refaire les vitrails de la cathédrale de Chartres, eh ben ils savent pas faire. Non, non, mais Et ça je prouve parle. pas qu'on avait une technologie de dingue avec des lentilles, machin ou quoi. C'est juste que il y a des savoir-faire qui sont à la mode à une certaine époque, on sait très bien faire des choses, et puis après, on fait autre chose, du coup, on perd en compétences. Les gens qui font des statues en granit, il y en a moins qu'avant. Oui, mais en fait, ça n'a pas trop de sens. S'il y a une technologie perdu. Si on n'arrive pas à faire refaire l'expérience, on va arriver au résultat, ça reste un mystère. Oui, je suis d'accord. Oui, Bon, je suis alors, d'accord. j'ai besoin de revenir à. On finira avec le granit, mais Mais il faut que je il y a, revienne y a sur le calcaire. Je reviens sur le calcaire, parce que vous avez cité notre une expression. émission à 1h22, vas-y, donc il faut que je cite, parce que là, il y a un problème. Vous citez un extrait où Jean-Pierre Adam, dans notre émission, dit ceci. Le bon sens, donc à propos de Pierre Moulez, hein, c'est de se dire, si on moule des matériaux comme des briques, alors elles auront toutes la même forme. Il y aura un seul moule pour toutes les pierres. Or, dit Monsieur Adam, il n'y a pas deux pierres de la Grande Pyramide qui aient les mêmes dimensions. Elles sont toutes singulières. Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement, mais pour le reste, elles sont toutes différentes. Alors pourquoi se donnerait-on le mal de faire des millions de moules? Dans votre film, à 1h22, après ça, la voix off reprend et dit: Mais il ne dit pas que toutes les pierres ont une hauteur identique à chaque assise. Il est inimaginable que des centaines de milliers de pierres de l'assise numéro 2, par exemple, soient taillées toutes à la même hauteur, au centimètre près. Je vous rappelle la phrase juste avant de Jean-Pierre Adam. Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement. Donc votre voix off, elle dit que Monsieur Adam ne dit pas un truc qu'il vient de dire. Et c'est dans le film et tout le monde peut vérifier. Et je trouve ça terrible. Comment c'est possible d'avoir. Et ça, vous m'avez envoyé l'extrait et je vous ai dit, avant que le film soit fini, mettez pas ça, vous contredit. C'est pas logique. Il dit un truc et vous dites, il dit X et vous dites, il n'a pas dit X. C'est dommage parce qu'il a dit X. Il dit, Jean-Pierre, que oui, les hauteurs d'assises sont respectées. C'est ça. Ça, phrase que ça ne veut rien dire, ça. Ça veut dire que, exactement la phrase que vous dites vous, que les pierres sont une hauteur identique à chaque assise. Ça, c'est votre phrase à vous. Et lui, il dit que Ah les non, assises sont respectées. Ça veut dire la même chose, en fait. non. Ah non. Ah non. Jean-Pierre Adam, il dit, les auteurs sont respectés. Les auteurs de quoi, par rapport à qui, à quoi? Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement. Moi, je suis moyennement intelligent, mais j'ai compris qu'il veut dire que toutes les pierres ont la même hauteur. Non, ça c'est ce que vous dites. Non, Ah non, non, mais non, c'est non. ce qu'il a dit lui. Bon, alors d'accord. Alors, si on est à ce niveau de mauvaise foi, je passe à la suite parce que ça va m'agacer. Alors, Non, vous non, avez non. lu le travail de Pierre Thaller, le papyrus de Mérère. Non, attendez, juste une petite question. En fait, qu'on revienne un petit peu. Là, Jean-Pierre Adam, il n'est pas clair. Il est très clair. Il n'est pas clair? Bon, ok, c'est comme vous voulez. Mais je pense que Jean-Pierre Adam, il n'est pas clair.
Là, moi, je précise dans le film que on n'a pas fait des centaines de milliers de moules. Et Jean-Pierre Adam, je précise qu'il s'agit de la hauteur de chaque assise. C'est-à-dire, on a fait des coffrages, ok. Je ne sais pas pourquoi il ne précise pas, ou, etc., Jean-Pierre Adam. Mais chaque pierre, il n'a pas les dimensions, la largeur et la hauteur. Par exemple, ça, c'est une pierre. Il n'a pas la pierre, il n'a pas la même largeur. OK. Chaque pierre est complètement différente. Par contre, la hauteur de chaque pierre pour chaque assise est identique en millimètres. C'est exactement ce qu'il dit, mais et ce qui est étonnant, c'est que les autres dimensions soient différentes. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à faire des moules différents? C'est ça qu'il dit Jean-Pierre Adam. Ben moi, j'ai montré à différentes personnes, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris ça. Hein. Ben, il faudrait que vous parliez à des gens qui comprennent mieux ce qu'on leur dit. Alors, bah. Le travail de Pierre Talé dans le Papyrus de Merreur, vous l'avez lu ça? Oui. Parce que, très bien. Alors, quand on lit ce que dit ce monsieur, enfin, il a travaillé sur les papyrus découverts en 2014 dans un ancien port de la mer Rouge. Et dans ces anciens papyrus, il se trouve que justement, c'est un texte d'un capitaine qui parle de comment il ramène des blocs sur le Nil jusqu'à la pyramide. Et quand on lit le texte, il explique qu'on en est à la dernière étape de construction, que c'est des pierres qui viennent de Toura, donc pour le parement. Et ça contredit votre film, puisque votre film, on commence par construire la pyramide de l'extérieur vers l'intérieur, donc le parement au début, et on finit par l'intérieur, alors que là, on voit que c'est l'inverse. Et il parle de blocs de calcaire. Et il ne parle pas de poudre ou de sacs de calcaire ou de briques. Il parle de blocs de calcaire. Alors, pourquoi c'est faux ou pourquoi c'est mal interprété? Alors ça, c'est quelque chose que c'est déjà vu dans le live avec Faustine et Dari. Je pense que ça, on perd un peu de temps, mais celui-là, je peux l'expliquer. On perd un peu de temps avec celui-là. En 3 minutes, pas plus, allez. En 3 minutes. Donc, Pierre Talley dit des blocs. Le problème, c'est il n'y a pas de mot bloc. Il dit il n'y a pas de mot bloc dans le papyrus. Il dit des pierres. OK. La pierre, ça peut être un morceau de ça peut être un 10 tonnes, ou ça peut être de la poudre, ok? Ça peut être peut-être les Égyptiens, ils voulaient dire la pierre, Khéops lui dit à Merer, ou l'architecte dit à Merer, ramène-moi 10 tonnes de pierre. Peut-être dans le jargon des Égyptiens à l'époque, ramène-moi 10 tonnes de pierre, ça voulait dire ramène-moi 10 tonnes de chaux, ok? Il n'y a pas de précision que dans ce papyrus, il s'agit des blocs. D'accord, donc là, on est dans de l'exégèse pour ne pas faire dire au texte. En tout cas, il ne dit pas poudre. Il n'y a pas de mot pour dire poudre. Bon. Peut-être, ça, c'est ça qu'il faut étudier. Peut-être il s'agit de la poudre. Peut-être, mais quand Merer, il parle, j'amène des pierres, peut-être pour les Égyptiens, pierre, ça veut dire la poudre de la chaux, c'est de la chaux calcinée. C'est dommage. De toi. Et donc, vous avez contacté Pierre Talley pour lui proposer cette lecture-là pour jouer avec... Oui, avec plaisir, pourquoi pas. Vous ne l'avez pas fait? Non. D'accord. Non. On a déjà discuté pourquoi je ne l'ai pas contacté des Égyptologues. D'accord, c'est vrai. Alors, moi, j'ai une question sur le travail de scribe de contour. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un scribe de contour? Oui, oui. Donc, vous pouvez dire aux gens ce que c'est, comme ça, c'est vous qui le faites, c'est ça. Un scribe de contour, c'est dans l'Égypte antique. Alors, oui, c'est ça, oui. Bah, un scribe de contour, c'est quelqu'un qui le maintenait, en fait, tout ce qui était, par exemple, la quantité de matière, etc. C'est un sort de comptable d'aujourd'hui, quoi. Alors moi, ce n'est pas ma définition. Le scribe de contour, c'est l'artisan qui vient dessiner sur la roche la forme que doit avoir la statue après ou le hiéroglyphe, notamment sur les bas-reliefs. Donc, il y a plein de documents qui expliquent que c'est quoi comme métier. Il y a toute une hiérarchie. Donc, c'est pas vraiment ça. Je pense. Et okay. J'ai une image où on voit une gravure, si vous voulez bien, Lise ou Luca. Regardez, voilà, par exemple, ça, c'est la pierre. C'est une gravure qu'on a dans la tombe du vizir Rekmiré, où on voit autour d'une statue en train d'être construite, un scribe de contour en haut à gauche, et autour, on voit avec leurs petits blocs de dolerite et différents outils,
on voit des tailleurs de pierre. Alors, si la théorie de l'hypothèse des pierres moulées était vraie, on ne devrait pas avoir ça. Si la théorie des pierres taillées est vraie, c'est logique qu'on ait ça. Et on l'a également ailleurs. On a, enfin, déjà, par rapport à ça, comment vous interprétez ce type d'image où on voit un script de contour et des tailleurs de pierre autour d'une statue? Le problème, je ne vois pas l'image. Ah, je suis désolé, c'est dommage. Je ne vois pas l'image parce que si je lance YouTube, je pense qu'il y a un problème avec le débit. Donc, ça serait bien de l'avoir. Je ne peux pas ça... vous l'envoyer. Désolé. Je pourrais vous envoyer un truc tout à l'heure parce que j'ai une petite vidéo et j'aurai le lien à vous envoyer, mais là pour ça je peux pas le faire. Mais je vois à peu près de quoi il s'agit. J'ai déjà vu cette image. C'est une image, mais ça ne vaut rien dire. Ça peut être. Bon. Attendez. Doucement. Ça peut être. Voilà, c'est une maquette, c'est un dessin. C'est un dessin, voilà, c'est un projet, ce qu'on va faire, comme. Des architectes qui font un dessin avant de se lancer dans la construction. Donc on fait une maquette, on fait un dessin. Mais on a plein de gravures comme ça qui montrent les artisans en train de créer les choses. Pourquoi est-ce que là ce serait pas le cas? C'est une hypothèse ad hoc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Si, c'est important parce que vous dites qu'il n'y a aucune pierre où on a des hiéroglyphes qui est taillée. Même les hiéroglyphes sont moulés. C'est votre hypothèse. Oui. Alors, comment on explique l'image qu'on va montrer maintenant? Vous ne la verrez pas, j'en suis désolé. On voit sur un parement, alors c'est la tombe de je ne sais plus c'est un mec, hein, c'est un pharaon. Et on voit qu'il y a le contour à la peinture rouge. Donc c'est ou bleu, enfin différent encore, c'est le travail du script de contour, de dessiner les choses qu'on devra avoir sur la paroi. La paroi, elle est en partie sculptée, mais ça n'a pas été fini. Comment c'est possible que ce soit moulé si sur la paroi qui est au mur, on a une partie où on a dessiné et le reste c'est sculpté? Enfin c'est en relief. C'est logique si jamais on dessine et qu'après on sculpte sur la pierre. C'est pas logique si vous me dites que d'abord on moule et après on met les blocs dans la tombe. Comprenez? Oui, je comprends, mais il se peut que ce soit un projet. Non, c'est pas un projet. Dans la tombe du pharaon, on a sur le mur des dessins et à côté, c'est gravé, mais c'est pas fini. Ce qui montre le processus de construction, de gravage, de gravure, des hiéroglyphes sur la paroi de la tombe, inachevé, c'est en train de se faire. Et on voit qu'il y a une trace, a priori, quelqu'un qui est en train de graver. Comment on pourrait expliquer autrement que par des gens qui ont dessiné puis gravé? Ben, en fait, si vous voulez, pour faire des hiéroglyphes, parce que les hiéroglyphes, partout, à Luxor, si vous voulez, dans tous les temples, les hiéroglyphes sont des hiéroglyphes en négatif. C'est-à-dire, on a fait une moule en argile avant, avec les hiéroglyphes, et ensuite... une fois le moule avec les hiéroglyphes elle est sec, l'argile est sec, on va couler le béton égyptien et ensuite on va enlever cette argile et du coup on aura les hiéroglyphes en négatif. Alors ça c'est votre hypothèse, moi je vous parle de faits, comment les faits qu'on voit sont compatibles avec ça. Là vous me dites, voilà comment ça se passerait dans mon imagination, je vous comprends très bien, mais pourquoi est-ce que c'est pas cohérent, enfin, moi ça me paraît pas cohérent avec ce que je vous ai montré. Pourquoi est-ce que votre hypothèse est cohérente avec le fait qu'on ait des choses inachevées de ce type-là? Le problème, je ne vois pas l'image. Il faut qu'on regarde ça. En fait, si je peux me permettre, cette image-là, vous la connaissez puisque vous avez discuté avant avec plein de gens qui vous envoyaient plein de documents et ces gens vous accusent de ne rien lire. Et j'ai le sentiment que ça se confirme malheureusement. Donc, parce que là, il n'y a pas de réponse à ça alors que la question a déjà été posée plein de fois. Bon, tant pis, on n'aura pas de réponse à ça. On va passer par, au granit fondu, qui est le truc qui m'a le plus étonné dans le film. Granit fondu, il faut y aller, je trouve que c'est vraiment assez extraordinaire. Et donc, la première objection qu'on peut faire, d'abord, il faut des grosses lentilles, on verra ça juste après, mais d'abord, le granit, quand c'est fondu, et qu'après ça se solidifie, le granit est une roche, alors je vais vous lire, le granit est une roche plutonique, magmatique, qui se forment dans le manteau terrestre à haute température et à très haute pression, et son refroidissement est très lent, c'est des siècles, voire des millénaires. On connaît même l'ordre dans lequel les cristaux se forment. D'abord, on a les micas, on a les feldspathes, puis on a le quartz. Si le refroidissement se fait à l'air libre,
On a une roche qui est du coup volcanique et n'est plus plutonique. La cristallisation n'a aucune chance de produire un granite. On obtiendra l'équivalent qui est la rhyolite. Ou le rhyolite, je ne sais pas si on dit là ou le ou là. Rhyolite, oui, oui. Dans le cas d'une absence totale de cristallisation, on obtient un verre, c'est d'une obsidienne. Ça, c'est la théorie. Bon, donc si moi j'ai ça en théorie grâce à mes études de géologie que j'ai pas beaucoup fait, mais j'en ai fait un petit peu, mais ça j'avais oublié. Vous me dites, on a fondu le granit et on a fait la chambre du roi avec du granit fondu, et paf, ça refait du granit. Normalement, ça devrait faire de l'obsidienne ou de la rhyolite. Comment vous expliquez qu'on obtient du granit? Alors là, ce que vous venez de lire, je l'ai déjà lu. C'est moi qui l'ai écrit, hein. Je me suis inspiré, mais vous ne l'avez pas lu, ça. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de D'accord. commentaires là-dessus. En fait, beaucoup de documents que quand on fait fondre du granit, ok, une fois refroidi, ça ne donne pas du granit. C'est ça. Le granit, ça ne fait pas ci, etc. En fait, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui a pu observer le granit se former dans les magmas pendant des milliers d'années et se refroidir doucement. Hein, pendant oui. des milliers d'années, il n'y a personne. Hein, parce qu'il faut attendre 1000 ans pour voir, selon la théorie, que le granit il va se former. Personne n'a vu Ramsès II respirer non plus. Hein. Peut-être qu'il ne respirait pas, hein, mais on a des indices pour penser qu'il y respirait. D'accord. Mais, donc, là, on est dans la pure théorie. Ok ? Alors, le mot théorie en science, il a un sens. Et une théorie, c'est extrêmement solide. Donc, je suis d'accord avec vous. On a une théorie sur comment se forment les roches. Et je suis d'accord pour dire que c'est une théorie, ce qui veut dire que c'est très solide. Si une théorie, c'est une théorie. Hein. Une théorie, c'est très solide. Si elle n'est pas expérimentée, ok ? Si elle n'est pas expérimentée, ça reste de la théorie. Je suis désolé, ça reste... Là, c'est de l'épistémologie de base, on ne va pas y revenir. Mais les mots sont importants. Il y a hypothèse et il y a théorie. Donc, ouais. Encore une fois, vous me dites que vous savez que c'est du granit fondu. Si vous le savez, et comment on le sait? Alors, donc, là, l'idée, c'est de faire de l'expérimentation. Parce qu'il y a tout le monde qui dit, oui, une fois le granit fondu, ça ne donne pas du granit, ça donne une autre roche vitreuse, etc. Alors, pourquoi s'attarder avec des théories, dire non mais montrer des documents à droite à gauche, ça c'est comme ça et ça c'est pas comme ça. Il y aurait simplement à faire une expérience, prendre un morceau de granit et le faire fondre avec l'énergie solaire et on verra comment ce qui se passe. Donc, la question est réglée. Alors, attendez, c'est intéressant. Parce que là, du coup, on touche un truc qu'on pourrait faire. Si jamais on pouvait avoir de l'énergie solaire et faire fondre du granit et voir comment il se comporte après, on aurait la réponse. Oui, c'est ce qu'on appelle la recherche, oui. D'accord. Donc, je vais demander à Lise de mettre en ligne... Attendez, Lise, avant de mettre, j'ai un truc à... Voilà. Fémi, je vais vous envoyer par messagerie le lien... Pour que vous regardiez la vidéo, comme ça vous pourrez la voir chez vous. Parce qu'il se trouve que cette expérience-là, on l'a faite. On a fait fondre du granit avec de l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, elle est différente des autres. Et on a obtenu un résultat. Donc je vous envoie ça par Messenger. Là, vous l'avez reçu. Je peux demander à Lise maintenant de mettre. Alors, c'est-à-dire 1 minute 30. Lise, tu mets la vidéo et on verra. On se trouve après la vidéo avec vous pour voir ce qu'on peut en dire. Ok. Alors pour montrer la faisabilité de la fusion du granit. Dans un premier temps, on va les mettre au foyer d'une parabole de 2 mètres, dont la concentration au pic est de 15 000. Par expérience, ça marche bien. Le premier test va être d'envoyer toute la puissance d'un seul coup. On pourra admirer la transformation du granit en verre, probablement. Et ensuite, on se mettra en dessous du point focal et on montera progressivement jusqu'à atteindre la fusion. Donc, ça pourra nous donner une idée de la concentration nécessaire à la fusion du granit. Ah. On voit quand même que le granit, quand il est chauffé, a tendance à éclater. Donc fondre du granit avec notre belle parabole, c'est tout à fait possible. On voit la goutte qui coule.
C'est parfait. On arrête l'expérience ici. On a bien fondu du granit. Voilà. Donc on voit que le granit a coulé et a fait une jolie goutte de verre. Et le résultat surtout est un aspect vitreux et il n'a plus du tout l'aspect du granit originel qui était plutôt cristallisé. Et c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec du granit. En fait. Voilà. Vous avez pu regarder la vidéo, Femi ? Oui, oui. Donc, je remercie les chercheurs du laboratoire Promesse du four solaire d'Odeio que j'avais rencontré il y a quelques mois, qui se sont dit, on va essayer avec l'énergie solaire de votre film, on produit ça. De toute évidence, alors c'est à petite échelle, mais déjà à petite échelle c'est compliqué, hein, donc à grande échelle il faudrait expliquer comment on ferait, mais on obtient du verre sombre noir, donc c'est de l'obsidienne, c'est exactement ce que la théorie prédisait, c'est ce qu'on obtient. Alors, j'ai quelques remarques là-dessus sur l'expérience. C'est qu'on n'a pas fait fondre le granit en entier. Okay, on a fait on obtenu une goutte de granit et on l'a fait. Il était fondu. Parce que vous avez déjà fait fondre du granit. Vous avez déjà essayé avec un chalumeau, oui. Je suis au courant. Oui. Et vous avez conclu que c'était pas concluant parce qu'on n'avait pas réussi à faire fondre complètement. Là, ils l'ont fait. On a fondu complètement le granit. C'était du liquide. Il a coulé. On a une goutte et à la fin, on regarde et c'est du verre. Oui, non, mais le granit, il n'a pas fondu complètement. Le granit a fondu complètement dans la zone où il a fondu. Oui, dans la zone, mais pour voir l'expérience, ça serait bien qu'il puisse. Mais oui, donc, ça serait bien. Ah oui, mais ça serait bien. Mais il a fondu complètement dans la. Regardez, là, on a une image du résultat où on voit que dans la zone où il a fondu, il a fondu. Après, il faut pousser la recherche. Faut pousser la recherche. Donc, alors, Femi, quelle expérience aurait pu vous convaincre que vous aviez tort? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez une théorie, vous y tenez beaucoup, 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 beaucoup. À chaque fois qu'on convient avec la preuve que le magnétisme ne marche pas, oui, mais non, parce que peut-être que là, on vous fait fondre du putain de granit avec le soleil. Il y a quand même, à un moment donné, moi, je suis vachement fier que des chercheurs aient passé du temps à faire ça. On passe du temps sur vos théories. On vous rend service. Et vous dites, non, mais c'est pas suffisant, il fallait tout faire fondre. C'est très méprisant. Non. Si vous pouvez ouvrir, je vous envoie une photo à soin fondu. Si on peut ouvrir celui-là. Donc, cette expérience, elle est nulle et ne l'a venue pour vous. Ça ne prouve rien. Non, je n'ai pas dit elle est nulle. Non, il n'y a pas d'expérience nulle. Non. Chaque expérience... Nulle et non avenue, ça veut dire qu'elle est inopérante à prouver ce qu'on veut prouver. Oui, mais chaque expérience, c'est enrichissant pour avancer dans la compréhension. Je suis d'accord. Elle est nulle. OK. Donc, ça, après, il y a des choses qu'il faudrait améliorer. Peut-être faire fondre le tout. En fait, c'est une recherche. Donc, alors, est-ce qu'on non, est... non, mais Femi, est... à un moment donné, si je vous dis que Ramsès II respirait et que vous me dites non, mais ça c'est qu'une théorie, personne va s'intéresser à votre hypothèse comme quoi il respirait pas ou que il était fait de matière noire. On s'en fout. À un moment donné, il faut être raisonnable. Le granit, ça fait des années que les gens savent ce que c'est. Les roches volcaniques, les roches métamorphiques, les roches plutoniques. On a plein de graphes qui expliquent comment ça marche. Les géologues savent très très bien comment ça marche. Le problème, c'est que on vous démontre qu'avec de l'énergie solaire, parce que l'objection aurait pu être avec l'énergie solaire ça se passe différemment, c'est entendable, on teste et on voit qu'on obtient du verre, c'est exactement ce que la théorie prédisait. Donc à un moment donné, est-ce que vous êtes capable d'accepter que cette partie de votre théorie, elle ne marche pas? Non, en fait faut faire de la recherche, faut faire là le granit il a fondu partiellement. Il faut comprendre que là, il y a une transmission d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui a été perdue. Okay? Parce que le granit a fondu dans un morceau. Bon. Après, il se peut que la théorie soit fausse. Okay? Mais il faut faire de l'expérience correcte. Okay? D'ailleurs, est-ce que peut-être les Égyptiens, ils ont rajouté un autre matériau
C'est-à-dire, par exemple, ils ont rajouté de la thermite. D'accord, mais là, Fémi, on est encore dans l'hypothèse ad hoc. Non. Vous me dites que oui, mais il faut rajouter ça et ceci. Et là, on est déjà à 21h45. Et on ne dépassera pas l'heure parce que moi, je respecte l'horaire. Oui, mais c'est pas grave. On vient avec une expérience faite avec de l'énergie solaire sur votre exigence à vous qui est... Vous n'avez pas réussi à le faire fondre. Il faut absolument faire fondre. Si on réussit à le faire fondre, alors ça marchera. C'est ce qu'on fait, on fait fondre, ça a fondu, on a une goutte. Et on obtient exactement ce que les géologues, dont c'est le métier de savoir, c'est pas le vôtre, ils disent on va avoir de l'obsidienne, et bien c'est exactement ce qu'on a. Donc à un moment donné, peut-être que quand les experts d'un sujet vous disent on sait comment ça marche, on sait qu'on obtiendra ça, il faut les écouter, et que votre théorie sur le granit, elle ne marche pas. Ok, bon. Si votre théorie sur le granit ne marche pas, est-ce que le reste tient debout ou pas? Non mais, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça oui, pas de sens. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens parce que est-ce que la démarche c'est pour prouver que la chose marche ou marche pas ? Quelle est la démarche ? Peut-être ils en étaient allés, les égyptologues ou les chimistes, ils ont raison que ça fait des obsidiennes. Hein. Ils ont raison dans la théorie. Okay? Donc, à moitié chemin, ils ont raison. Okay? D'accord? Mais il se peut que les Égyptiens, en plus de l'énergie solaire, ils ont réussi à faire fondre, ils ont rajouté, je ne sais pas, par exemple, du carbonate de sodium, du natron, ou ils ont rajouté de l'oxyde de cuivre, et du coup, ça a baissé la température de la fonte, ça a baissé l'énergie demandait, ok, et on a obtenu du granit fondu. Donc on a des gravures, inachevées, on a des statues inachevées dans la carrière, on a des traces d'outils, on a des pierres de dolerite, on a tout ce qu'il faut. Et en fait, la théorie comme quoi ce sont des pierres taillées, tous ces éléments-là, la théorie les explique bien. On comprend très bien pourquoi. Vous arrivez avec l'idée que non, ils ont fait ça différemment, et moi, je veux bien. Mais à un moment donné, je me sens un peu floué et un peu pris pour un con lorsque moi, je me casse le cul pour que des gens fassent l'expérience dans un laboratoire du CNRS. Ils viennent avec l'expérience, ils sont quand même bien gentils de prendre du temps pour votre théorie. Et vous dites, non, mais en fait, finalement, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Et vous revenez avec une autre théorie, une autre hypothèse, et donc c'est sans fin. Ce qu'on est en train de démontrer, c'est que vous n'accepterez jamais qu'on prouve que ce que vous dites est peut-être faux. C'est ça le problème. Non, je suis pas quelqu'un de têtu. Hein. Je ne suis pas quelqu'un. Si on va faire plusieurs essais, ça, on a fait un essai. Très bien, ça vaut ce que ça vaut. Ça montre peut-être que j'ai tort. Ok, j'ai tort. Mais si on fait un autre essai, donc c'est-à-dire on fait fondre le granit avec l'énergie solaire. Non, j'ai entendu, avec d'autres éléments. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Parce que là, si ça en coupe, on va pas arriver. Ou je continue ou vous voulez continuer? Ben j'ai entendu, parce que si c'est pour répéter qu'il faut changer les paramètres, j'ai bien compris. Et ce n'est pas hyper intéressant, parce que là, en fait, on a une expérience dans le four solaire d'Odeyo, où on a une grosse coupole et on concentre le soleil. Les Égyptiens n'avaient pas le four solaire d'Odeyo. Dans votre film, vous venez avec l'hypothèse en plus qu'il fallait des lentilles. Alors, on vient de montrer que l'énergie solaire faisait du verre, mais bon, admettons, comment est-ce qu'ils ont pu utiliser l'énergie solaire, les Égyptiens, à l'époque? Votre film parle de lentilles, de silicate de sodium ou de potassium. Est-ce que vous avez fait l'expérience, vous qui dites qu'il faut en faire, est-ce que vous connaissez les propriétés optiques de ce matériau, et est-ce qu'on a des traces, parce que les Égyptiens dessinaient tout, ils dessinent comment ils font les statues, ils dessinent comment ils embaument les morts, mais il n'y a pas de trace de dessin de comment ils font les lentilles. Pourquoi est-ce que l'hypothèse des lentilles serait valable? D'où elle sort? L'hypothèse des lentilles serait valable parce que si on observe, par exemple, les images que je vous ai envoyées, on voit des traces de pointe, c'est-à-dire c'est comme si on a envoyé de l'énergie, une focale de l'énergie solaire, et on a fait des pointes comme des lasers au sol, sur le granit. D'accord. On observe ça sur le granit d'Assouan. D'accord. On observe ça partout. Donc vous dites que c'est pas possible que ce soit... Il y a des pointes comme du laser. Alors, au burin, c'est pas possible, mais en manipulant une lentille de 5 ou 10 mètres de diamètre qui doit peser 200-300 kilos, on peut faire un truc très fin sur une statue. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Parce que la lentille de 5 mètres, elle est lourde.
Bah non, c'est du silicate soude, elle est très 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 légère. Elle est très légère. C'est, Comment ça ah pèse? oui, très légère, c'est une plume. Là, à ce que je pense, en fait, cette lentille, je pense, elle doit être autour de 150-200 kilos, pas plus. Elle est très 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 C'est une légère. plume de 100 kilos à orienter pour que le foyer soit précisément aligné et faire un trait. Je trouve plus dur à croire qu'on peut faire un trait très fin sur une statue avec des volumes compliqués, avec une lentille qu'on doit manipuler. En plus, il faut faire ça à l'heure dite, que tranquillement dans un atelier avec l'outil. Ça me paraît une hypothèse supplémentaire. Et donc, Tout à on fait. viole le principe de parcimonie. Tout à fait, c'est compliqué, ça ressemble un petit peu absurde, difficile à Ah capter, à oui? comprendre, mais tout à fait, on est en théorie. Moi aussi, ça me paraît un peu. Non, on est en Hein, hypothèse. on est, quand vous voulez, oui. Hypothèse, oui. Hypothèse ou théorie, quand vous voulez. Mais Hypothèse, surtout, je garde l'hypothèse. je comprends ce que vous dites. Maintenant. Vous me dites, c'est étonnant de précision. Donc j'imagine que peut-être avec une sorte de rayon laser, ça marcherait mieux. Je comprends l'hypothèse. Mais en histoire, on ne se contente pas de dire, il faudrait que ce soit ça. On se base sur des éléments. Et je viens de vous le dire, en Égypte, ils dessinaient tout. Où sont les dessins des lentilles? Ou de comment on les fait? C'est un savoir secret. C'était secret. C'était, Bon. oui, c'était C'est secret par pratique. les Égyptiens. Mais D'ailleurs, peut-être que c'était les Atlantes alors qui avaient un secret. Jacques Leclan, le douanier de l'égyptologie, il Oui, il est disait, décédé, oui. oui, il disait, il est décédé depuis, hein, il disait, c'était dans leur culture, dans leur principe, il parlait des Égyptiens, de garder secret le savoir. Oui, C'est pas moi qui le c'est dis, pour c'est ça lui qui le dit en que partout vidéo. sont dessinées les différentes étapes de la momification. C'était tellement secret que c'est partout. Moi, je veux bien. Non, je parle pas de mummification, je parle d'autre chose, D'accord, bon, de la géométrie, de la chimie, d'accord. etc. J'ai besoin qu'on aille quand même sur la dernière partie. On ne pourra pas tout faire parce que malheureusement, OK. le temps arrive. Mais on ne va pas parler des glyphes de Gosford. On ne parlera pas des pharaons noirs, on ne parlera pas des pyramides américaines, mais j'ai envie qu'on parle de la statuaire antique et des cathédrales, parce que vous dites que là c'était moulé, et moi là je trouve ça très étonnant, parce que je ne connais rien à l'Égypte, mais je connais un petit peu plus de choses sur ces époques-là, et il me semble que si là on avait moulé tout, bah, ça se saurait. Et notamment, le David de Michel-Ange, par exemple. Parce que c'est la statue que tout le monde connaît, la grande statue de David. Selon vous, elle n'a pas été taillée du coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faut observer, faut regarder. Ah, vous. Peut-être, non. Peut-être elle a été taillée ou peut-être elle a été moulée. Là, faut faire des analyses ou Mais il n'y faut a pas faire des besoin de faire analyses chimiques, d'analyse. En fait, peut-être. alors, je vais vous dire pourquoi. Et là, c'est encore facile. Wikipédia a la réponse. Alors, chers amis, Wikipédia, c'est très imparfait, mais parfois, on a la réponse. David et Michel-Ange, réalisé entre 1501 et 1504, 5,14 m de haut, sculpté dans un bloc de marbre de Carrare, qui a d'abord été travaillé par Agostino di Duccio, puis par Antonio Rossellino, et qui a passé 40 ans dans un atelier et que, avant que Michel-Ange le travaille. On sait même que le bloc avait des défauts, dont un important, il avait une brèche, et cette brèche, elle a été exploitée pour faire l'espace entre le bras et le torse. Donc on a l'histoire du bloc. On sait Oui, exactement que pas de ce souci, bloc ça peut est. être taillé, il y a aucun souci Alors très là-dessus. bien. Où est Je le précise que problème? la vidéo que j'ai diffusée sur Odeo, où on fait fondre le granit, j'ai une version longue de 9 minutes 30 qui sera en ligne tout à l'heure ou demain. Donc vous pourrez OK. aller consulter et on voit un peu plus en détail ce qui se passe. Mais si vous me dites que la statuaire romaine et grecque, bon là on est en 1500, donc c'est plus récent, mais quand même, vous savez qu'ils ont utilisé la méthode de la pierre moulée. À un moment donné, c'est incroyable parce que des secrets comme ça peut pas. Ça, en général, ça ne dure pas. Quelle est Si la la même question? technique a été utilisée en Grèce, à Rome, dans les pyramides américaines, si le secret a été diffusé partout, alors ça n'est plus un secret par définition. Bah, diffuser, non, ça dépend à qui a été diffusé. Ça dépend. C'est votre Bah, réponse. ça dépend. Si aujourd'hui vous construisez une voiture, ok? Donc, tous les pays du monde construisent des voitures, d'accord? Mais cette technique-là, ce savoir-là, elle n'est pas diffusée. Peugeot, elle ne va pas diffuser son savoir dans tous les pays. Ok? Elle va diffuser dans ses usines, d'accord? Mais elle ne va pas diffuser à la population.
D'accord, mais ce n'est pas un secret. Il y a des secrets il y a des petites parties qui sont des secrets, mais vous êtes en train de me dire qu'on utilisait des lentilles pour calcifier de la pierre pour faire du ciment. La technique des lentilles, il y a une. Après Galilée, Galilée a pu observer des choses parce qu'à son époque, on pouvait enfin faire des lentilles en verre. Et vous me dites qu'en fait, ça faisait 4000 ans qu'on en faisait tous les jours. Bah Et oui, Galilée, je pense. Oui. Je pense. C'est ma théorie ou l'hypothèse qu'on voulait. Ah oui, mais pourquoi est-ce que je trouverais ça plus fiable que la version de l'histoire qu'on connaît plus ou moins, même s'il y a des choses à corriger, qui est que les lentilles et la technologie des lentilles et de l'optique, c'est un truc de la Renaissance, du 15e, 16e siècle, où en plus c'était la haute technologie de l'époque. À l'époque, on taillait moins de la pierre, mais on faisait des belles lentilles. Et c'est quelque chose qu'on aurait fait depuis 4000 ans avant, sans que personne ne moufte, sans que jamais personne dise à sa femme, tu sais, au boulot, on fait des grosses lentilles. Ben, je sais pas, à un moment donné, c'est quand même étonnant. Mais c'est un secret, c'est un savoir à garder secret. C'est-à-dire, c'est une profession, et comme n'importe quelle profession, D'accord. On doit garder secret pour des intérêts philosophiques, pour des intérêts financiers, pour des intérêts, ce que vous voulez. D'accord. OK? On ne va pas détailler les intérêts, pourquoi on a gardé secret. C'est Bon. qu'on a gardé secret sans savoir. C'est exactement ce qui se passe aussi aujourd'hui. Okay? Vous achetez un télé, mais la fabrication est secrète. Non. Okay? Il y a des, il y Il y a, a il y des a gens qui travaillent dans divers. les usines, il y a des gens qui savent exactement comment ça se fait. On leur demande de ne pas le dire. Enfin, à un moment donné, si vous avez un beau-frère qui bosse chez Thomson ou chez Philips ou chez Mitsubishi et qui vous explique que là, on passe dans des bains de ceci pour faire des trucs, vous êtes au courant de comment ça marche, quoi. L'existence d'un outil aussi grand qu'une lentille de 5 mètres de long qu'on doit utiliser en plein air, avec des armatures pour l'orienter, ce n'est pas un secret qu'on garde dans un tiroir. On a perdu, peut-être il y avait, sûrement il devrait y avoir des documents qui se transmettaient de génération en génération. Peut-être quelqu'un les a cachés ou ont été détruits avec le temps, on était D'accord. perdu. Il n'y avait pas de coffre-fort à l'époque. Donc Je là, ne sais pas ce qui s'est passé. on est à mi-chemin entre Les l'argument de lentilles. l'ignorance et de la conspiration. Vous À mi-chemin. classifiez, vous mettez de l'étiquette ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je propose. D'accord. Voilà, je propose ce qui peut-être. Attendez, peut-être il n'y a pas de lentille du tout. Ok. Oui, c'est possible, d'accord, Oui, c'est possible. mais Peut-être. à un moment donné, Peut-être. maintenant que Non, vous me mais dites ça, attendez. peut-être qu'il n'y a pas de lentille du tout, fallait peut-être vous poser la question avant de faire un film de 3h30 qui vous a Non coûté mais cher. non Oui, mais je veux attendez. dire. Laissez-moi finir une seconde. Une phrase au moins. Donc, peut-être il n'y avait pas de lentilles du tout. Il y a un autre savoir, on faisait fondre, je ne sais pas moi, avec une mélange chimique à froid, etc. Okay. On fait fondre à froid. Mais peut-être à froid. On fait fondre à froid. Oui, fondre à froid, je ne sais pas, on mélange des acides et ça devient un travail de chimiste. Peut-être D'accord. à chaud. Okay. Mais peut-être il n'y avait pas de lentilles, peut-être il y a une autre solution encore plus élaborée. Moi, je propose les lentilles. Okay? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette théorie? Est-ce qu'on fait des expérimentations? Est-ce qu'on fait une étude, une vraie étude là-dedans, avec des scientifiques et des chercheurs? Ou on va dans l'autre sens, est-ce que c'est viable ou pas? Le De cette problème théorie, que ça et me on pose, rejette c'est donc. que. Non, mais le problème que ça me pose, c'est que, avec toute la bonne volonté, parce que moi en fait, si je passe du temps avec vous, c'est parce que je trouve que c'est intéressant de poser des hypothèses et de les tester. À un moment donné, plus je discute avec vous, moins vous êtes sûr, et vous êtes en train de me dire que, finalement, l'hypothèse des lentilles, il y a exactement autant de preuves que pour les Atlantes ou pour les extraterrestres. Non, C'est le mais. même niveau de Non, preuves. non, 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 Ah, de non, preuves, non, si. non, 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 mais c'est bon, c'est comme vous voulez, mais bon, heureusement que c'est votre avis, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, comme ça. J'ai le sentiment que c'est l'avis des experts. Bon, ok, Quand on leur donc. en parle, les lentilles, enfin, ça leur paraît venir d'une part. Et encore une fois, peut-être qu'il y a un monde peut-être où c'est vrai et c'est arrivé, mais ça laisse des traces. Et comme on n'a pas de traces, moi je suis étonné. Mais ça laisse pas trace parce que c'est en silicate de soude, et le Ouais. silicate de soude, vous laissez.
sous la pluie, au bout de 30 minutes, ouais. Il a fondu. Et dans les tombes des pharaons, où on a plein d'outils, plein de choses, plein de traces de ce qu'ils font, ils n'ont pas laissé un petit bug de silicate pour dire... Mais voilà, Thomas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 3000 ans d'histoire, 3000 ans de civilisation. Vous vous rendez compte ce que c'est 3000 ans? Déjà 30 ans en arrière, vous vous souvenez pas, on se souvient pas de notre grand-mère. Non, mais il y a les traces. Et on regarde les documents. Il y a des traces d'outils d'il y a 3 ou 4 000 ans, on a les traces. On a les hiéroglyphes, on a les représentations des différents corps de métier. On n'en a pas, où on voit des gens qui font des lentilles ou qui en manipulent. Donc ça repose sur zéro fait. Ouais. Et même si c'est vrai, c'est zéro fait, exactement comme les Atlantes. Je dis pas que c'est aussi fou que les Atlantes, mais en termes d'épistémique, c'est le même niveau de preuve de départ. Non mais ok, vous classifiez, vous faites l'étiquetage, la classification de ce que je dis, vous faites ce que vous voulez. Ok. Alors, moi ce que je dis à partir des observations qu'on fait, que j'ai faites, donc je regarde le granit ramolli, fondu, etc. Je regarde des divers, c'est comme une enquête policière, je regarde ci et ça, des divers, des points, des trous, comme des trous faits au laser, etc. Et j'estime qu'il y a quelque chose fait avec la chaleur. Et je pense l'énergie solaire. Comment on fait de l'énergie solaire? Avec des silicates, en mélangeant de la chimie, silicates de soude, etc. Oui. Okay. Maintenant, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Maintenant, il faut étudier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est viable, cette hypothèse? D'ailleurs, si jamais on arrive à faire fondre avec une lentille de 5 ou 10 mètres de diamètre de granit, là, il faut passer à une autre étape. Comment les Égyptiens, ils ont fait le silicate de soude? Comment c'était fabriqué le four? Alors, quel si le je peux me permettre, ça c'est l'étape 1. Ça c'est l'étape 1 en fait. Non, étape attendez. C'est important. On ne commence pas par dire, ils ont fait ça, après on cherche comment ils l'ont fait. On se demande, mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire? Est-ce qu'ils avaient ce qu'il faut? La technologie de base pour faire ces mélanges-là, pour le chauffer, pour obtenir ce résultat-là. Et vous dites ça, on verra ça après. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on travaille en histoire. On vérifie sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qu'on connaît de manière sûre. Et là-dessus, on pose des hypothèses sur ce qu'on sait. Là, vous nous dites, je suppose que c'était des lentilles, sur rien, et vous cherchez comment ils auraient pu faire après. C'est l'inverse du processus normal de production des connaissances en histoire, en fait. Bah peut-être oui, mais peut-être faut changer le processus du travail de l'histoire. D'accord. Peut-être. On remet en cause tout. Bah je sais pas, mais si vous le dites peut-être vous. Peut-être faut tenter. Non mais attendez. Mais je pense qu'il faut que vous alliez parler au monde, le monde doit savoir. Oui, mais peut-être faut tenter une autre voie, faut tenter autre chose. Ok. Alors moi j'ai un petit mot, vu que c'est l'heure, j'ai un petit mot de la fin à lire sur ce que j'avais prévu comment ça allait se dérouler. Il se trouve que ça correspond plus ou moins à ce que j'ai. Et puis après je vous donnerai la parole, 30 secondes, une minute pour dire ce que vous avez à dire. Juste avant je propose des bouquins. Vous avez ce livre-là, les mythes de l'histoire de Michel Lurquin, qui parle de pas mal de théories plus ou moins alternatives sur pas mal de choses, notamment les pyramides, mais le tombeau de Jésus, le sol de Turin, il y a pas mal de lignes de Nazca ou les pierres d'Ica. Et puis sur des sujets pareils, vous avez la collection Une journée dans les ténèbres. Alors j'ai pas le livre sur l'histoire, Irna a fait un truc sur les pyramides de Bosnie, là c'est le mien, parce qu'ils m'ont pas envoyé les autres bouquins, donc bravo les mecs, je peux pas les montrer. Mais vous avez plein de livres comme ça qui s'intéressent à comment on peut avoir un regard critique sur les hypothèses alternatives de l'histoire, parce qu'il faut toujours avoir une oreille ouverte à ces hypothèses-là, parce que peut-être qu'un jour quelqu'un tombera juste. Et moi je ne soupçonne pas Fémy de vouloir créer une secte, je pense qu'il est honnête dans sa démarche, il a des idées, et ça, je trouve ça respectable. Après, je suis assez sévère sur la manière de faire, c'est un peu mon métier. Et donc, le petit mot de la fin, c'est que on peut observer dans la manière dont vous défendez votre théorie qu'il y a une confusion entre science et fiction. Le film de Fémy est construit comme une œuvre de science-fiction sur la base d'un « et si jamais ceci, et si jamais cela ». Mais c'est parfaitement, il a droit. Et il y a pas, on ne prend pas soin de limiter les hypothèses comme l'exige le principe de parcimonie. J'ai évoqué le principe de parcimonie, on évoque des lentilles parce qu'on en a besoin pour l'histoire, mais il n'y a pas de principe de parcimonie. Derrière se met en place une démarche de validation de l'hypothèse de base et d'exploration des conséquences avec de fréquences ajouts pour conserver de la cohérence, ce sont les hypothèses ad hoc. Puis on accuse les contradicteurs d'être soit des ignorants parce qu'ils ne savent pas, soit des gens étroits d'esprit, parce que je suis méchant, même si vous avez été adorable en famille ce soir, il n'y a pas de problème. Mais on exige qu'ils fassent, eux, le travail que l'auteur aurait dû faire, les expériences qui montrent que ça marche. Bref, on inverse la charge de la preuve.
Et la démarche scientifique, de loin, ça peut ressembler à ça. Quand on ne s'y connaît pas, on peut dire que ça, c'est... En fait, non. En réalité, les hypothèses ne sont jamais conservées en dépit des faits. Alors, ça peut arriver quand les gens sont un petit peu obtus, parce qu'ils ont un médicament, ils pensent qu'il marche, ils ne veulent pas en démordre, ça c'est autre chose. Mais la plupart des hypothèses, on les abandonne, on sait bien que les hypothèses sont fragiles, on doit les abandonner. La cohérence interne de la thèse n'est qu'une partie du travail de la science. L'autre, c'est le volet empirique, où l'on confronte l'édifice intellectuel au verdict du monde réel. Et notamment, au pouvoir explicatif des théories concurrentes. Et c'est pour ça qu'il faut connaître par cœur, ou en tout cas très bien, la littérature. Le problème, c'est que l'ignorance qu'on a en général de ce que la science dit vraiment sur les pyramides rend, par contraste, les récits archéomaniaques, on en a parlé au début de l'émission, beaucoup plus séduisants, en fait. Croire à cette histoire qu'on me raconte me plaît mieux que de ne pas savoir. C'est mieux que de savoir. Et c'est moins coûteux en effort que d'aller lire les vrais experts. Donc ce genre de discussion que nous avons ce soir repose sur cette confusion, me semble-t-il, fondamentale. Une théorie scientifique ne se construit pas de la même manière qu'un scénario de cinéma. Un film est un très mauvais moyen de démontrer la validité d'une théorie. Et c'est pour ça que je vous avais demandé pourquoi ne pas passer par l'écrit et par des démonstrations avec des références, avec des notes de bas de page, avec des choses sourcées qu'on pourrait vérifier. Il y a, à mon avis, une approche beaucoup plus d'auteurs et d'écrivains, ce que je respecte, qu'une démarche de chercheur qui va expérimenter, qui va tester ces hypothèses pour les mettre à l'épreuve. C'était mon mot de la fin, je vous laisse votre mot de la fin à vous. Merci. Donc, alors, ce que je pense, dans ce film, il y a des hypothèses, donc je vais pas jouer sur le vocabulaire avec les termes, etc. Donc, il y a des hypothèses ou des théories, d'accord? Mais il y a aussi du contenu qui sont déjà vérifiés et prouvés. Donc, ça peut être peut-être dans un prochain live, etc. Mais il y a aussi, par exemple, comme le maître égyptien, donc ça, c'est déjà prouvé et... Non. Là, non, bon. Et donc, par exemple, hein, donc il y a des théories à vérifier, il y a des hypothèses, les affirmations, comme le film les construit, comme des affirmations, il se peut que, en fait, que je sois au même stade de départ avec les égyptologues. C'est-à-dire, les égyptologues et les historiens avancent sur le vocabulaire d'affirmation, moi aussi j'avance sur le vocabulaire d'affirmation. C'est-à-dire, puisque personne personne n'est remonté dans le temps pour dire, voilà, ça se passait comme ça. Toutes les affirmations dans l'histoire, ce qu'on lit, c'est aussi c'est des affirmations, des conclusions construites à partir des éléments à droite, à gauche. Okay? Donc, et moi, je suis parti dans la même démarche. Okay? Maintenant, concernant les diverses théories et les hypothèses dans le film, il reste à faire de l'expérimentation. Okay, l'expérimentation, il reste faire la recherche. Okay, il se peut, moi je propose une puzzle, un dessin qu'on voulait. Okay, il se peut que ce puzzle, il y ait des traits erronés. Okay, il se peut que non, ça s'est pas passé comme ça. Il se peut que cette partie-là s'est fait comme ça. Donc il se peut qu'il y ait des traits erronés. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va travailler dans le sens à éclairer, à approuver, à trouver, à vérifier ce que je propose, ou on va laisser, dans son temps, et puis peut-être chercher, laisser le temps, on verra ce qui va se passer, est-ce qu'on va trouver des documents ou des traces, je ne sais rien. Okay? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Donc voilà, il y a des hypothèses. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce que je propose? Eh ben, Est-ce qu'on va s'approcher vers les scientifiques? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui vont s'approcher? Est-ce qu'on va étudier ou est-ce voilà, quelle est la suite de cette théorie, de ces hypothèses? Alors, on va sans doute faire un live avec Gollum, parce que moi, excusez-moi que je vous coupe, parce que moi,
J'ai pas de moyens, je suis tout seul, ok? Donc, j'ai pas de moyens, ni pour faire de la recherche, ni pour faire quoi que ce soit. Okay? Je suis tout seul, je suis un individu. D'accord? Un petit réalisateur qui a une petite boîte du coin, et voilà, qui a proposé une théorie, des histoires, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'il y aura une démarche scientifique? Peut-être ça vaut rien tout ça. Peut-être les égyptologues, les historiens, ils ont déjà vu ça et tout est erroné. J'en sais rien. Mais voilà, mais C'est c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a besoin d'aller voir un peu l'état des connaissances actuelles, parce qu'il y a peut-être des choses, des questions que vous posez qui sont des questions qu'on doit poser, et on a les réponses peut-être. Et donc, on va essayer de nous faire un live avec Faustine, avec Gollum, dans le courant de l'été. Eux ont lu beaucoup de choses, ils savent pas tout évidemment, mais il y a peut-être des choses, des questions que vous avez posées, des objections que vous avez soulevées. Moi, j'ai pas la réponse du tout, peut-être que l'auront, et donc j'invite les gens à être attentifs à ce live. Il aura lieu, je sais pas quand, courant juillet, août, ou peut-être à la rentrée. On va revenir sur la discussion de ce soir pour dire, voilà, là, on a évoqué ça. Moi, j'ai pas de réponse. Fémie avait telle hypothèse. Est-ce que là-dessus, on n'a rien, ou est-ce qu'il existe des buts de connaissance qui permettent de répondre? Et Tout à ce fait, travail-là, c'est ça, pour le d'y faire, aller. il faut des gens qui connaissent le sujet, qui lisent la littérature, qui travaillent, etc. Et c'est compliqué. Et moi-même, je ne peux pas le faire. Donc, je n'ai pas la pierre. Mais de nous deux, moi, je n'ai pas fait de film où j'affirme des choses. C'est ça le truc. Moi, je suis sceptique et je doute. Donc, j'ai le rôle un peu facile dans ce soir, je me rends compte, hein. Et le but, c'est pas de vous démonter. Mais vous comprenez pourquoi je suis pas convaincu? Oui, non, mais je comprends, je comprends. D'accord. Vous, il vous faut une expérience bien filmée, Pas vérifiée. Il vous forcément. faut. Il Non, me faut des éléments attendez. cohérents avec d'autres Pas pour. qu'on OK. sait. Et Il peut-être vous en. faut 10 scientifiques diplômés de la chimie, de la physique, Non. etc., qui vous Il me tamponnent. faut une Oui. démonstration. Qui se base sur ce qu'on sait, qui ne fait pas d'argument d'ignorance, qui ne fait pas d'hypothèse ad hoc, enfin tous les éléments que Tout à j'ai énumérés fait. avant. Bah, Et tout si à la fait. On démonstration est est d'accord solide, tous les deux avec le principe. ben Moi, je suis voilà. d'accord avec ça. Il n'y Et a pas de ben, mon souci. sentiment, c'est que je ne l'ai pas eu ce soir avec vous. J'ai pas eu assez d'éléments pour y croire. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il vous manque des éléments. OK. Là, je suis d'accord. Et j'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas pu démontrer avec les lentilles comment faire fondre. Parce qu'il faut faire de l'expérience, il faut faire de la recherche, etc., etc. D'accord. OK? Je n'ai pas les moyens pour faire cela. Donc, C'est compliqué. tout le temps, cela, ça reste la théorie. Parce que si on arrive à résoudre cette énigme, il se peut qu'il y ait cette énigme-là, ça résout beaucoup d'autres énigmes égyptiennes de rien. Je Éventuellement. suis d'accord que je suis désolé que je ne vous ai pas fourni voilà, des documents ou une vidéo où je montre où je fais une statue en granit. Mais, OK? alors, je tiens quand même à souligner qu'on a eu un échange très courtois. Alors, on s'est marché dessus, Ah, parce que techniquement, c'est compliqué. avec Non, mais c'est plaisir, important ça, il n'y a aucun doute. parce que y a beaucoup de gens qui sont très, très, très énervés dès qu'on remet en question ces questions. Enfin, a priori, savoir comment des mecs ont construit des pyramides il y a 4000 ans, ça ne devrait pas être un truc qui met les gens en boule dès qu'on l'évoque. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Peut-être que chez les sceptiques, on est trop moqueur. Il faut qu'on fasse attention. Mais de l'autre côté, il ne faut pas s'énerver, quoi. Si ce que vous dites est vrai, c'est formidable. Parce que c'est étonnant. Et si c'est vrai, je veux être convaincu. Donc, l'avenir nous dira s'il y a des éléments et on fera une émission pour voir un peu si on en sait un peu plus avec les collègues. Avec C'est l'heure, plaisir, par je contre, c'est suis l'heure, ouvert à tout, hein. Moi, je suis on a ouvert. dépassé l'heure. J'accepte, écoutez, j'accepte aussi de perdre, c'est-à-dire, voilà, ta famille, ta théorie que tu as proposée, elle est nulle. Une fois, Alors, j'accepte, oui, je suis d'accord, c'est si je peux me erroné, je me suis permettre, trompé, il n'y a aucun on ne souci. perd jamais lorsqu'on est dans une démarche où on propose quelque chose et on le teste. Il n'y a pas de perte. Puisque si on vient et qu'on travaille correctement, on a apporté, même si l'hypothèse était fausse, on a apporté au show, puisqu'on a testé ce qu'on disait. Donc il n'y a pas de combat, en tout cas, moi, je ne suis pas dans une posture de combat du Tout à tout. fait, tout Et à si fait. les gens qui ont des théories alternatives s'avèrent avoir raison, je veux être convaincu par eux aussi. Je veux être convaincu Non, par non, eux. mais Je veux que celui qui a non, raison me c'est convainque. pas le bon terme, perdre, dans le D'accord, sens, vous d'accord. m'avez compris, c'est une Très métaphore bien. de perdre, parce que je peux vous dire que l'erreur, c'est une information. L'erreur n'existe pas vraiment. D'accord. Il n'y a pas d'erreur. Chaque erreur, c'est une information pour changer de direction. C'est ça. OK? Bon. Voilà.
On a trop dépassé le temps. Merci beaucoup, Fémi. Bon courage Merci à vous. pour la suite. Merci. Merci bien. Et puis aux autres, on se donne rendez-vous le 27. Et puis la chaîne continue à faire des choses. Il y aura en description plus d'éléments qu'il y en a maintenant pour des liens pour aller vous renseigner. N'hésitez pas à aller lire la description pour avoir plus d'infos. Ce sera fait demain ou dans les jours qui viennent. À bientôt. Merci encore à l'équipe modérateur qui est désolé pour le dépassement d'heure. Bye bye. Merci. Bonne soirée.